Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de la Plume de Poudlard, le live spécial Noël 2022. Et ça fait déjà le quatrième live de Noël qu'on fait. Hein. Émotion totale, ça veut dire que la Plume de Poudlard a 4 ans, puisque on l'a ouvert en décembre 2018. Ça commence avec des applaudissements, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, je me trompais de bouton, je voulais mettre celui-là. On commence bien, on commence très très bien. Du coup, bravo à nous tous. Alors, un beau programme ce soir, évidemment, en perspective. Je pense que vous allez être au moins des milliers, vu qu'il y aura le grand tirage au sort du calendrier de l'Avent de la Plume de Poudlard. Plus de 25 lots, plus de 3000 euros de lots. Et on vous le dit, ce soir, on va en rajouter en plus. Donc, il va falloir rester sur le live pour pouvoir gagner des lots. Ensuite, on parlera un peu de l'actualité du Wizarding World, évidemment. Et on va également vous présenter le fameux livre synchro hors-série, le magazine hors-série sur le monde du doublage. Oui, voilà. Et du coup, nous, on l'a reçu, donc on est super contents, on va pouvoir vous le présenter. Et on vous l'a dit, on vous l'a promis, il va y avoir un acteur du Wizarding World qui sera avec nous en direct. Alors pas dans le studio, mais en visio ou en vocal. Et sur lequel, du coup, on va pouvoir discuter avec lui, lui poser des questions sur le tournage. Il n'a pas donné d'interview depuis la fin du tournage des Animaux Fantastiques 3. Exact. Voilà, tout simplement. Et oui, il n'a pas fait d'interview. Donc on sera les premiers à lui poser des questions sur ce film. Et ça, ça va être juste génial. Alors on va regarder un petit peu les commentaires. Et en attendant, on va faire un petit tour de table. Comme vous le voyez, ici on est au studio de la Plume avec toujours les mêmes têtes, j'ai envie de dire. Il y a Dja, évidemment, que vous connaissez, on ne vous présente plus. Aurore également, la rédactrice en chef de la Plume de Poudlard. Il y a également Lina, ça nous fait plaisir. Alors, Lina n'est pas là tout le temps, mais franchement, quand elle est là, ouais, ça nous fait plaisir. Ouais. C'est le petit rayon de soleil du studio. Et il y a Nico qui est avec nous. Et Nico, franchement, en ce moment, il bosse dur. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais il bosse très très dur. Ouais. Et j'espère qu'un jour, on pourra vous dire pourquoi. Dans quelques mois. Ok, nous on est au courant déjà, je vous dis, on a des secrets que vous ne connaissez pas. Ah, t'es pas au courant, hein. Alors, vous êtes nombreux et comme... C'était la première à être prévenue quand même. Vous nous entendez tous? Apparemment, tout va bien. Et du coup, on est sur plusieurs plateformes. On est sur Twitch, Facebook, YouTube. On est également sur Twitter, pour une fois. Ah ouais. On peut maintenant streamer sur Twitter. Donc, on est sur Twitter. Le live ne fonctionne pas sur YouTube, me demande Marie. Alors, attends, merci Marie de nous l'avoir dit. On va regarder ça. Attends, on ne bouge pas. On va regarder. Est-ce que quelqu'un peut checker déjà sur... Attends, je vois qu'il y a du monde. Si, il y a 14 personnes qui sont sur le live de YouTube. Il y a peut-être démarré un peu en retard. Vos connexions. Ouais, exact. Et je vois qu'il y a du monde également sur Facebook, donc ça c'est plutôt cool. Et bienvenue à vous tous. Alors, avec nous, on a également des membres de la Plume de Poudlard qui sont en visio. Il y a Loudi, il y a également Nolan, Adrien et d'autres qui vont se greffer à nous durant la soirée. En tout cas, je suis super content d'être avec vous sur cette super soirée de Noël, parce que les cadeaux, franchement, j'ai hâte de vous les offrir et de vous annoncer qui a gagné les lots. Il y a une petite musique qui vient de redémarrer. C'est ça. Ah, ça a l'air de... C'est bon, ça fonctionne sur YouTube. Tout est nickel sur Facebook et tout est bon sur YouTube. Super, parfait. Nickel. Gros bisous à vous. Alors, du coup, par quoi on commence? Les cadeaux. Mais non. Elle est venue que pour les cadeaux. Il faut être sage et patient. Non, on commence par synchro. On commence par synchro. Allez, c'est parti. Alors... On vous en a parlé un petit peu, c'est de ce fameux magazine qui est dédié donc au monde du doublage, de la comédie, enfin des comédiens de doublage du cinéma français. Et du coup, ils avaient annoncé la sortie d'un hors-série sur le monde d'Harry Potter. On va faire un petit zoom. Qu'est-ce qu'il et est moi, je m'attendais à un magazine, mais je m'attendais pas à recevoir un pavé. C'est un pavé, le bouquin, et il regorge d'anecdotes. Il est en trois parties et en plus petit upgrade du studio, puisque on a à chaque fois on vous fait le coup, ouais, caméra de table, nanana. Mais c'était une caméra un peu pourrie, hein, vous cachez. Mais là, on a upgradé et du coup, ça devrait être beaucoup plus beau.
Voilà. Oh. Et du coup, on voit donc le fameux livre synchro. Donc, on va le découvrir ensemble. Ce livre est en 3 parties. Et donc, en première partie, on voit donc des interviews, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah non, d'abord, on a un espace dédicace. Ah oui, c'est ça. Espace dédicace. Ah, attendez, je vais essayer de régler un peu la luminosité de cette caméra. C'est où? C'est là. Hop. Mettre un peu plus sombre. Voilà. Nickel. Ça sera mieux. Et upgrade, hein, je vous l'avais dit. Et du coup, voilà. Donc, sur cet espace-là, vous allez pouvoir faire dédicacer ce livre-là aux acteurs que vous allez rencontrer en convention. Par exemple, si vous rencontrez Kylian Blanc à The Next Convention ou à Avignon Geek Expo ou quoi, vous venez avec ce livre et puis vous ferez une dédicace, ce qui donnera de la valeur. Il y a plusieurs pages pour les dédicaces. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, franchement. Bon, en fait, c'est qu'un livre de dédicace. Et voilà. Et donc, du coup, il y a le sommaire. Et donc, dans le sommaire, il y a 3 grosses parties, donc on le voit. Donc, il y a la magie des coulisses. Donc, ça va être des interviews des personnes qui ont été en charge de la partie doublage d'Harry Potter. Donc, il y a la directrice technique de Warner Bros. France. C'est rien que ça, déjà, ça commence bien. Ensuite, il y a également l'auteur des dialogues français. Donc, interview de Juliette Vigourou. Il y a également l'interview des ingénieurs son, parce que c'est un gros travail pour les ingé son, tout ça. Le monteur son, etc., etc. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est la magie au micro, où là, on voit donc des interviews des voix françaises avec du coup Marc Casso, qui a donc interprété la voix de Albus Dumbledore, Claude Giraud, donc la voix de Alan Rickman, Claude Chantal, Maggie Smith, enfin, il y en a plein évidemment, et puis les voix. Sur Kylian Blanc. Voilà, Kylian Blanc de Daniel Radcliffe, Harry Potter. Je crois qu'il y a Manon Azem, donc la voix de Emma Watson, et est-ce qu'il a eu la voix de Ron, je ne sais pas. Mika, je me permets aussi, de elle couper. Est là. Olivier, pardon. Je me permets de te couper pour vérifier si YouTube ça marche bien. Il y a un souci. Parce sur que YouTube. A priori il y a pas de live. Oh. Sur quoi? D'accord, on va regarder sur ça. YouTube. Sur YouTube, apparemment il y a un souci. D'accord. On nous demande comment avoir ce livre. C'est sur le site internet de Synchro. Ouais, alors c'est pas sur le site internet de Synchro, c'est plutôt sur leur page parce que c'est un financement participatif. Comment? Ça l'est plus. Ah bah ça l'est peut-être plus, oui. Donc je pense que du coup c'est vraiment sur le site. Ouais. C'est quand c'était au moment du financement, il était à 55 €. Là il est remonté un petit peu plus cher le livre. Oui, probablement. Sur le site, il est à 60 € maintenant. www.synchrodoublage.fr synchrodoublage.fr synchrodoublage.fr. Et évidemment ce livre est vraiment oufissime. Il est magnifique. Il y a des superbes photos. Vraiment, c'est un livre que il fallait avoir sous son sapin de Noël. Oh, ouais, non, mais il y a des superbes photos. Il y a aussi des superbes photos. Attendez, je vous la montre. Caméra de table. Regardez-moi ça. Elles sont classe, ces photos. Ouais, elles sont classe. On n'a pas l'habitude de les voir. Non, ouais. La définition, elle est vraiment très, très. Et c'est là où le boulot du montage dessus est magnifique. Les scènes des filles. Elles sont super belles, les photos. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est en corrélation avec l'interview. Par exemple, voyons là. Synchro, est-ce que. Alors, c'est une question de synchro. Est-ce que le rôle était difficile ou étiez-vous plutôt à l'aise? Et là, c'est une question à la voix française. Voilà, exactement. J'étais très à l'aise, étant donné que c'est un personnage dont je me sens très proche. Comme je vous l'ai dit, je connaissais toute sa complexité qu'on ne voit pas dans les livres, etc., etc. Enfin, qu'on ne voit pas dans les films, pardon. Donc, c'est du coup en relation avec le personnage. Et c'est un vrai plaisir de découvrir les photos et également la petite interview de la voix française qui a interprété le personnage. Donc voilà, c'est un livre qu'on vous recommande, Synchro, aux éditions. Donc, Synchro. Non. La maison d'édition, non, si c'est ça, ouais, c'est la maison d'édition Synchro, c'est exact. Synchro. Leur édition. Ils sont leur propre éditeur, auteur-éditeur, donc voilà. Vraiment, je vous le dis, ce bouquin, il faut l'avoir, tout simplement. Donc si allez-y. Hein. C'est en retard. À la limite, c'est pas grave, il n'y a pas de. J'allais demander à notre community manager de mettre le lien, il l'a déjà fait, donc merci à lui, merci Adrien, et vraiment, ce livre, il est sublime, c'est le cas. Quoi d'autre? YouTube. Oui, YouTube. Ouais, qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Il y a des personnes pour qui ça fonctionne. Non, mais en fait, il y a des personnes pour qui ça fonctionne. Ouais, il y en a pour qui ça fonctionne et d'autres non. Alors attends, pas de problème. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Je vais aller sur le YouTube de la plume de polaire. Bah si, je vois, regarde.
Bah oui, c'est... Non, on est en direct. Ah bah ouais. Comment ça, ça ne marche pas? C'est ton téléphone qui est de la merde. Oh, bah, celui de la moitié des abonnés. Hein. Change d'opérateur. Et après, elle dit que ça marche pas. C'est pas moi, c'est les abonnés. Les abonnés qui sont vraiment pas concentrés, là. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y avait pas un gros, une grosse latence, hein, parce que je me suis entendu dire... donc, non, ça marche très bien. Ouais, très bien. Merci, Mathias. C'est super cool. Alors, commencez à préparer vos questions et mettez-moi en commentaire qui est-ce qui sera avec nous en direct. Dites-le nous. À qui vous pensez? Non, mais je parle de l'acteur du Was Anywhere. Et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, évidemment, on vous rappelle qu'il va y avoir un acteur du Wizarding World des Animaux Fantastiques qui sera avec nous en direct. Donc, vous allez pouvoir lui poser vos questions. Donc, commencez à choisir vos questions et dites-nous en commentaire qui est-ce qui sera avec nous. C'est Piquette. C'est Piquette, tu crois? C'est non, on a dit dans les Animaux Fantastiques 3 alors. Ah, Animaux Fantastiques 3. Voilà. Bah, il y avait pas Piquette. Bon, enfin, mais non, mais j'ai dit pour les personnes qui vont se poser la question. Ah, ça y est, on a trouvé. Il y a King Edix, c'est Dan Fogler. Allez, ouvrez la porte. Ah oui, il y a quelqu'un qui a trouvé. Non, c'est pas Dan Fogler, malheureusement. Mais Dan Fogler, sachez-le, on l'a interviewé il y a quelques jours et on va bientôt publier la vidéo. Donc, on est très très content. C'était ouf. Quand même pas Eddie Redmayne. Alors, Eddie Redmayne, non, en fait, on a refusé. Il a voulu. Il nous a dit la plume, les gars, c'est s'il vous plaît. Refusé, voilà, on l'a dit. Non, écoute, vu ta prestation dans Jupiter, on n'est pas d'accord. Donc, non, bref. Alors, il y a quelqu'un qui est un peu sur la voie. Il y a quelqu'un qui a mis Youssouf. Est-ce que ça serait Youssouf Kama? Youssouf. Ah ouais. Je sais pas. En plus, on vous a donné un gros indice parce qu'on vous a dit qu'il a jamais été interviewé depuis que le film est sorti. Il y a déjà eu des interviews de Dan Fogler, il y a eu des interviews d'Alison Sudol, il y a eu des interviews d'Eddie Redmayne. Eh ben oui, ça va être Youssouf Kama, donc William Nadilam. Quelqu'un qui l'a pas encore vu. Où est Teddy Lenifleur? Non, qui a pas encore vu les Live 3. Ah bah, c'est le moment là, ça fait presque un an. Hein. Quand même. Ah, quelqu'un qui a pas encore vu les Animaux Fantastiques 3. Ok, alors je te recommande de le regarder. Ce sera peut-être la dernière chance que tu auras de voir les Animaux Fantastiques. Ce soir, oh, mon Dieu. Après le live. Ouais, bah, on va pas parler du futur de cette franchise, mais ça sent pas très bon pour les Animaux Fantastiques, on va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, on va peut-être parler d'un sujet là qui fait un peu de bruit en ce moment sur Harry Potter. Warner, d'après les rumeurs d'un fameux tweet, serait en pleine réflexion de faire un reboot d'Harry Potter. Alors qu'est-ce que tu sais qu'il y a un reboot? Est-ce que tu peux nous expliquer? Qui en sait que ça? Tu sais ce que c'est qu'un reboot? Enfin, ça serait pas comment je dirais le... Vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Lève la main. Je suis pas sérieuse pour rien. C'est moi, un reboot, c'est... Vous voyez, par exemple, il y a la série Gossip Girl, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. On va passer quoi. Mais ils ont fait un reboot. En gros, c'est à peu près la même histoire, mais avec de nouveaux personnages, mais un peu plus modernes, on va dire. C'est pas bon. Alors, pardon. Oui, alors, c'est ça. Nico, en gros, comme ils ont fait avec Charmed. Voilà. Ouais. Il y a plein de séries, etc. Avec des acteurs. MacGyver. Des acteurs, voilà. Des actrices différentes. Même, oui, voilà, c'est à peu près la même histoire. C'est à peu près le même drama qu'il y a, mais avec de nouveaux acteurs. C'est plus moderne. Donc ça veut dire que Warner Bros. S'enlèverait la contrainte de devoir re-signer avec les acteurs originaux. Il est tard. Et du coup, en faisant ça, il se laisse un peu un boulevard pour faire un casting différent. Mais ce n'est qu'une rumeur à prendre avec une truelle. carrément. Un tractopelle. Bon, après, le tweet, c'est une page qui se dit être la source d'informations fiables depuis plusieurs années. Mais ça reste quand même... pour moi, ça me paraît quand même gros, quoi. De dire, ouais, il y aura un reboot Harry Potter. Il y a toujours des soucis sur YouTube. Bon, je sais pas. Moi, je suis sur YouTube et j'ai pas de soucis. Ouais. Je comprends pas. En tout cas, l'idée de reboot a l'air de plaire à tout le monde. Moi, ça me plaît. Je suis le premier à dire non. Les gens disent que les suites, c'est mieux. Bah oui. Laissons-leur une chance. Alors attends, parce qu'il y a reboot et reboot. Ah ok, non, il veut pas laisser une chance, Nico. Pour moi, pas de reboot. Il y a reboot et reboot, tu disais. Ouais, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que Mercredi, c'est un reboot de La Famille Addams? Ah. Ou est-ce que c'est un spin-off? Moi, je dirais que c'est un reboot. Enfin non, c'est différent. Bah, non, c'est donc c'est un spin-off. Oui, c'est un spin-off, puisque en fait ce qui va. C'est la continuation, parce que Mercredi, dans le film précédent, elle était toute petite, c'était une petite fille, et là c'est un ado.
Donc c'est déjà, c'est un suivi. Ouais, donc c'est pas vraiment un reboot. Non, c'est une suite, ouais. C'est pas replié ou du même âge, sinon... Ouais, ouais, non, c'est pas un reboot. Non, mais tu as raison, Caroline. C'est pas un reboot, c'est vrai. C'est plutôt un spin-off. Grandiose, hein. Franchement... Waouh, c'est pas du Harry Potter, je le sais, mais j'ai pas le droit. Je spoil pas. Je ne spoil pas. Je dis juste que Tim Burton, franchement, ouais, il a assuré sa race. Non, franchement, super. Et si Harry Potter devait avoir un spin-off, ça serait bien que Tim Burton se mette dedans. Parce que franchement, quand tu vois Mercredi, tu te dis qu'il avait envie de faire du Harry Potter. Quoi. Et puis, pas se mentir. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui ressemblent à Harry Potter. Ah bah oui. Ah, oui. Ça, je le disais hier. Oui. Mais on le fera. Ouais. Et surtout, peut-être incruster, faire des petits caméos avec des personnages d'Harry Potter. Ça pourrait être drôle. Oui, ça comme dans Mercredi. Bah, Mercredi a fait des références à Christina Ricci, qui l'interprétait Mercredi, petite fille. Bah, elle était dans Mercredi de Tim Burton en tant que personne. C'est pas un spoil, hein. C'est un truc qu'on ne voit même pas. Si tu le sais pas, tu le vois pas. Alors, c'est plutôt une info, voilà, une anecdote. C'est, quoi, c'est un clin d'œil. Ouais. Voilà. Un spin-off sur Drago, ça aurait pu être drôle, Rebecca. Je valide grave. Ouais. Je valide grave. Moi aussi. Un spin-off sur la famille Malfoy, quoi. Ah oui, ça te rappelle pas mal. Oui, Drago et sa famille Malfoy, la famille Black aussi, j'aimerais bien. Ouais, carrément. Oh, sur Gilderoy Lockhart, qui a mis ça? Ah non, mais là. Non, mais moi j'adore. Ah, mais ça serait mais très non. Drôle. Non, c'est quelqu'un qui répond qui dit je suis d'accord avec toi, le roi. Non, mais moi. Ah. Je... ah. Mais ça serait très drôle. Non, mais un spin-off sur Gilderoy Lockhart, ça aurait été tellement malin. Ah, bah oui. C'est le plus grand arnaqueur de tous les temps. C'est un peu le Arsène Lupin du Wizarding World, le mec. C'est entre Gaston et. Mais genre, ça serait marrant de le voir affronter genre un dragon, mais en fait, on voyait un sorcier le faire, lui mettre un coup d'oubliette et finalement revenir. Oh, Warner, si nous écoute. Prenez de la graine. On a plein d'idées, non? Ça aurait été bon, ça. Contactez-nous. Et vous payez millions et millions des scénaristes. Et ben nous, on prend même 200 000 euros. Hein, venez au studio de la Plume. Donnez 2-3 idées, et voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant du studio de la Plume et de films et de vidéos et machin, il se pourrait, peut-être, que dans quelques semaines, vous risquez de voir La Plume de Poudlard à la télé. À la télé. Mais oui. On est famous maintenant. Wow. Oui. Exactement. Donc, vous risquez de nous voir prochainement sur une chaîne nationale. C'est pas sûr. Si on n'est pas coupé au montage. En tout cas, ça a été un tournage de 4 heures. Donc, j'espère qu'on aura au moins 5 minutes à l'écran. Hein, on va pas se mentir. On aura 30 secondes. C'est La Plume de Poudlard. Voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoint en direct. Alors, qui est-ce qui est avec nous en direct? On va voir ça tout de suite. Tiens, j'ai pas le. Ah, ok, j'ai pas la course ici, c'est pas grave. On va aller sur le logiciel. Tac, tac, tac. Conf. Oh là là. Salut, invité mystère. Il y a marqué Yusuf. How are you? C'est plus mystère du tout. Il y a marqué Yusuf Kama. Hi, William. How are you? Hello. Do you hear me? Hello, il est trop mignon. Il est tout timide. Do you hear me? Yes, I can. Yeah. Ah. Hello, William. I'm very excited to meet you, William, on La Plume de Poudlard. Si on parle français, can you translate me in French? Non, mais on va parler en français. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, William Nadilam est un acteur français. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un acteur américain. Eh ben non. Première info de la soirée déjà, William Nadilam, dont on est ravis d'avoir sa présence avec nous en direct et qu'on remercie très chaudement d'avoir accepté notre invitation. Et du coup, est un acteur français. Donc voilà, comment vas-tu, William? Et bienvenue, oui, bienvenue. Attends, applause déjà. Ah oui, bien sûr, applause. Ah ben là, c'est plutôt la musique rock qu'il faut mettre là. Ouais. Oh là là. On est avec nous, William Nadilam. William, il paraît que tu n'as pas encore fait d'interview depuis la fin de Les Animaux Fantastiques 3, depuis la fin du tournage. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que j'ai pas fait d'interview en France? Oui, en France. C'est vrai. Ah, ouais. Donc on sera bien les premiers à te poser des questions sur ce qui s'est passé sur le tournage, etc., etc. Dit-il avec une voix très angoissée. Allez-y, commencez à poster vos questions. Postez vos questions. Alors, et nous, on va choisir.
Alors moi déjà j'ai envie de te poser une question, William, si tu bien sûr l'acceptes. Une question assez simple, qui finalement pourrait être une réponse compliquée. Tu as tourné donc dans Les Animaux Fantastiques 3, qui était durant un contexte sanitaire très complexe. Est-ce que le tournage a été d'autant plus complexe à cause de ce contexte? Je parle du Covid, hein, bien entendu. Ah d'accord, c'est du Covid que tu parlais, d'accord. bon, déjà, je voulais dire mon très grand plaisir de vous retrouver, d'être parmi vous. C'est vraiment un truc qui me fait chaud au cœur. Merci, on t'aime, bisous. On te fait plein de gros bisous, merci William, c'est très gentil. On t'aime très 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 fort. Non, et puis c'est très très important, je pense que... tu vois, là, on parle de ce contexte particulier. Effectivement, c'était hyper particulier, mais on est dans un contexte mondial qui est quand même particulier, dans un monde qui est... je vais rabâcher mes vieux classiques, mais dans un monde qui est secoué de gauche à droite. Là, par exemple, on nous dit que c'est Noël et puis que c'est le Nouvel An et on fait la fête. Mais en même temps, j'étais dans le Vermont et là, je suis à Boston. Et on n'arrête pas d'entendre des histoires dures de personnes qui ont été prises dans des tempêtes, qui n'ont pas réussi à rejoindre leur maison et qui seront perdues à jamais. On parle de personnes... Moi, j'ai fait un tournage il n'y a pas longtemps en France. Je suis venu en France pour faire un tournage et j'étais dans un petit hôtel à Dinard, qui est une ville absolument charmante, juste en face de Saint-Malo. Et tout le monde était dans la joie de voir que on était venu pour faire ce petit tournage. Dans lequel je jouais d'ailleurs, c'est très rigolo parce que dans ce film je joue le rôle d'un détective anglais, donc on me prend décidément toujours pour un acteur américain. C'est toujours très intéressant et donc il y avait le départ de la route du Rhum, j'étais avec des gens absolument charmants et on me dit qu'il y a la gouvernante de l'hôtel qui voulait un autographe et qui voulait prendre une photo avec moi. Et je me dis, ah tiens, oui. Et puis je me rends compte qu'en fait, elle est fan d'Harry Potter, que ses enfants. Ah, aussi. Trop mignon. Et on se met à parler. C'était une dame, une belle jeune femme, qui avait deux grands enfants, je crois, qui avait autour de 12 ans. Et je lui demande, vous êtes du coin? Elle me dit, non, pas du tout. En fait, cette dame arrivait d'Ukraine. Wow. Elle arrivait d'Ukraine et elle était CEO en Ukraine. Et là, elle se retrouvait gouvernante dans un hôtel. Et je me suis dit, c'est marrant parce que dans ce court instant, on était tous les deux réunis par un truc qui était du monde de l'imaginaire, par en l'occurrence l'univers Harry Potter. Et ça, c'était, je me suis dit, c'est marrant que ça survive à tout en fait. Ça survit à la guerre, ça survit à la distance, ça survit à l'isolation, à l'éloignement. Et tout ça, c'est pour dire à quel point c'est hyper important de se retrouver autour de quelque chose qu'on aime. C'est hyper important, cette chaleur humaine. Donc, ce que vous faites, c'est hyper important. Merci. D'où le slogan de la pub de Poudlard, rester magique. On essaye de le rester dans un contexte complexe. Et du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Alors, effectivement, c'était un contexte assez particulier. C'était vraiment très particulier. Autant le tournage précédent, donc Fantastic Beasts 2, Crimes on Grindelwald, c'était festif, c'était ouvert, c'était vraiment, moi j'étais émerveillé tout simplement puisque j'étais tout nouveau dans cet univers et tout était absolument renversant. Le nombre de gens sur le plateau était hallucinant, c'est-à-dire qu'à un moment j'avais calculé que, je ne sais plus si c'était environ sur un mois, on devait être 1000 personnes en moyenne sur le plateau, tu vois. J'étais absolument fasciné de voir autant de figurants qui étaient tous aussi passionnés les uns que les autres. La différence qu'il y a entre les tournages du Wizarding World et puis les autres, c'est que les gens qui tournent sont fans, en fait. Donc, le moindre figurant, tu sens qu'il est là et qu'il porte le projet. Là, sur le 3, c'était un peu moins parce qu'il y avait beaucoup de restrictions gouvernementales. Nous étions le premier tournage à reprendre au monde. Ah, c'est-à-dire oui. que le monde entier avait arrêté les tournages complètement. Et moi, on m'a appelé, on m'a appelé en juin pour me dire, en fait, on va tourner. En gros, lorsqu'on m'a dit qu'on recommençait à tourner, c'était en février. Donc, j'étais absolument ravi. J'étais ravi de faire partie de l'aventure parce que j'en étais pas sûr de faire le suivant. L'histoire, nous, on reçoit l'histoire vraiment au dernier moment. On n'est pas. Je pense que peut-être Eddie.
ou peut-être Jude doivent avoir les informations un tout petit peu plus tôt que nous, mais sinon le reste, on ne sait pas. Et surtout, on ne sait pas dans quelle histoire, dans quel sens l'histoire, dans quelle direction l'histoire va nous emporter. Et là, en février, on le savait, janvier-février, on repart en début mars pour se préparer. Moi, je repars à New York pour chercher mes affaires, et là, boum, la nouvelle du Covid tombe sur le monde entier. Ah. Et donc, on s'est tous dit, bah, c'est plié, quoi. Ah ouais, on carrément. S'est tous dit, bah oui, non, c'était clair, c'était plié. On ne ferait pas, les Animaux Fantastiques 3, et on ne savait pas quand est-ce qu'on en referait un autre. Et là où c'est très, très fort, c'est que, donc, une fois de plus, rapidement, en juin, on m'annonce qu'on reprend le tournage. Moi, au fond de moi, je me dis, mais non, ils se racontent des histoires, ils ne vont pas pouvoir. On m'envoie le billet d'avion et boum, on part. Et on a commencé à tourner, je crois, quelque part en début août. À un moment où Mission Impossible avait commencé, il s'était arrêté. Batman avait commencé, il s'était arrêté. Il y avait, c'est quoi le film avec les dinosaures, comment ça s'appelle ? Jurassic World. Tout le monde s'était arrêté. Et en fait, ce qui s'est passé avec nous, c'est que les gens de la production, qui sont des gens extraordinaires et une fois de plus des passionnés, ont inventé un protocole pour qu'on puisse tourner. Et donc, il y a eu toute une armée d'infirmiers, il y a eu toute une armée de personnes qui étaient là pour désinfecter absolument tout. On avait un test par jour. Et à ce prix-là, on a pu recommencer. On était hyper isolés, vraiment dans des bulles sanitaires. Et à ce prix-là, on a pu commencer doucement à tourner. Et jusqu'à la fin, on a vraiment limité les dégâts. Je crois qu'on a eu, sur les 7 mois de tournage, il y a eu un jour où il y a eu un cas qui a inquiété tout le monde. Donc, il a fallu tout mettre sur pause pendant 5 jours. Non, t'es en train de me dire que dès qu'il y avait un mec qui éternuait, toute la production s'arrêtait, quoi. Bah, c'est-à-dire que ce mec n'avait tout simplement pas l'occasion d'éternuer, puisqu'il n'était pas... par exemple, le cast principal ne tournait pas nécessairement avec les figurants. D'accord. Donc les scènes avec les figurants étaient vraiment comptées sur le volet, triées sur le volet. Et il se trouve que la scène qui a posé problème, c'était justement un jour, c'était au moment du tournage... vers la fin avec le chilling, c'est un moment où tout le monde, enfin tous les acteurs principaux, passaient à l'intérieur de la foule des figurants. Mais sinon, en général, ils se sont évertués techniquement et filmés de façon à ce que les figurants et les acteurs principaux ne soient pas mélangés tout le temps, parce que bien entendu, les acteurs, que ce soit Dan Fogler ou Eddie ou Jude ou Mads, ils étaient vraiment dans des bulles, c'est-à-dire qu'ils partaient de chez eux dans un contexte, c'était une bulle, il y avait une voiture qui venait les chercher, c'était tout le temps le même chauffeur, tout le temps la même voiture, personne d'autre que eux ne pouvait entrer dans cette voiture, et donc ils arrivaient sur le plateau dans leur trailer, comme je suis en train de faire mon Jean-Claude Van Damme, dans leur roulotte, et dans cette roulotte, il n'y avait que eux qui pouvaient rentrer, même les assistants ne rentraient pas dans la roulotte. Waouh. Ça veut dire que vous étiez extrêmement isolé. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu étais donc en Angleterre, sous le tournage, ça a été à Leeds End, ça a été tourné, c'est ça ? Mm-hmm, ouais. Donc ça veut dire qu'ils t'ont mis probablement dans une roulotte lorsqu'il y avait les scènes de tournage et dans une chambre d'hôtel, j'imagine, à l'écart, pendant que tu tournais pas. Mais ça veut dire que tu n'avais le droit de rien, enfin de rencontrer personne finalement. Absolument. Oh là, c'est atroce. Et ça a duré combien de temps ? 7 mois. 7 mois de tournage, Doudou. Oh là là, tu t'es senti un peu comme Robinson Crusoe, seul au monde, un peu, non, des fois. Ça doit être compliqué. Oui, seul au monde, c'est une belle expression, parce qu'on avait l'impression d'être sur une île, mais on était sur une île avec des petites îles à l'intérieur de l'île. Ouais, d'accord. Les seuls endroits où on se rencontrait réellement, c'était juste avant de tourner. Donc, on pouvait se parler, mais avec des masques. Ça aussi, c'est une chose qui était très, très étrange. C'est que moi, c'est au bout de 7 mois pratiquement que j'ai demandé à mon maquilleur, qui est un type extraordinaire, que j'ai demandé à la coiffeuse, que j'ai demandé à l'habilleuse de me montrer leur visage. Parce que figurez-vous,
J'avais pas vu leur visage depuis 7 mois, donc je ne savais pas. Incroyable. Ah ouais, j'imagine. Oh, c'est un délire. Bon, on va passer aux questions de nos abonnés, parce qu'il y en a des milliers, ça va tellement vite. Il y en a beaucoup, on fera vraiment questions et réponses courtes. Oui, voilà, on va faire questions et réponses courtes. On va se faire un ping-pong, William, si vous l'acceptez. Sinon, le live, il va durer 3 heures, et William, le pauvre, on doit le libérer aussi. J'adore discuter avec William, parce que... Intéressant. Il prend le temps de bien t'expliquer le contexte et d'aller au bout de ses réponses, et c'est vraiment un honneur de discuter avec lui. Un plaisir de l'écouter. Oui, oui, oui. Et puis tu t'en ressors toujours grandi lorsque tu discutes avec lui. Donc, alors, on commence depuis le début rapidement les questions. Et là, on va lui faire jouer un exercice qui va peut-être pas aimer. Ah, bah oui, Mika, il faudrait monter les questions. Non, après, alors, en fait, il y a des questions qui reviennent souvent. Oui, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Mais bon, on va essayer de faire. En fait, William, on nous demande régulièrement. Là, deux, trois fois, on nous a demandé s'il y a un bon contact avec les acteurs que tu as aujourd'hui. S'ils sont sympas, qui est plus sympa. C'est ça, c'est ce qui revient plus souvent. L'acteur qui tu aimes le plus, on va dire. Oula. Question piège. C'est croustillant. Ils sont tous, comment dire, les uns et les autres, il y a cette particularité avec, je dirais, avec ceux qui sont tous très connus, en fait, ceux que le public aime, c'est pas... Alors, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en général, quand le public aime un acteur ou une actrice, c'est souvent que cette actrice est une bonne personne dans la vie. C'est bien. Tu veux dire que quand tu deviens un acteur est une bonne personne, c'est ça que tu essayes de dire? Non, les grands acteurs. Ah, les grands acteurs. Il n'a pas bien écouté. Oui. Non, pardon, il pardon. Pardon. Il est occupé avec... avec un chocolat. Oh, d'accord. Et c'est... chocolat. Non, mais mis à part, c'est vrai que tu as raison de dire ça et que dans Les Animaux Fantastiques, il y a beaucoup de grands acteurs. Oui. Ah oui, donc en fait, ils sont tous sympas, apparemment. Bah, c'est voilà, bien, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et carrément. À un moment, quelqu'un a dit sur le tournage, quelqu'un regardait, un des acteurs regardait le reste de l'équipe et il dit, c'est le plus gros. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un truc dans le genre, ça, c'est le plus grand plateau. Non, c'est le plateau le plus extraordinaire de figurants que j'ai vu. Mais enfin, il l'a dit dans le sens où chacun des acteurs qu'il avait en face de lui étaient tous potentiellement des super rôles principaux, des super acteurs. Mais ce qu'on voyait de ce qu'il faisait en tant que. De ce qu'il donnait au point de vue jeu d'acteur, c'était vraiment une petite tranchounette de ce qu'il savait faire. Wow. C'est bien dit, c'est mignon. C'est beau. C'est mignon. C'est un peu, c'est un peu comme si tu réunissais un casting à la Expendables, sauf que tu fais un bon film. T'es méchant, Mika. Non, je les adore tous, les acteurs de cette franchise. Mais, pour répondre franchement à la question, ils sont tous adorables. Bah, ils sont vraiment. Je pense que la personne qui donne les câlins les plus longs, et ça, je crois que c'est de façon universelle, tout le monde le sait, c'est Ezra Miller. Il fait des câlins qui durent une minute, quoi. Ezra, quand tu veux, pour faire un câlin. Alors, il y a RemLol43 qui nous demande « Que gardes-tu comme souvenir de tes tournages ?» L'expérience humaine. Bien, très bonne réponse. Et très courte, c'est bien. On nous a demandé si tu étais rentré avec ta baguette, si tu avais parti avec un objet. T'as pu partir avec ta baguette. Ça volé, t'as rien piqué? Il y a 2-3 ans, on te l'a posé cette question. On me demande souvent cette question. Non, en fait, je suis pas piqueur, moi, je pique rien. Je sais pas. C'est nul. Parce que j'ai grandi avec la peur de la police, je sais pas. Mais en revanche, on me fait beaucoup de cadeaux sur les tournages. Là, par exemple. Ah, c'est pour ça, il pique rien, on lui donne. Cette femme extraordinaire. On veut des noms. Qui est la costumière, en fait. Ah, ok. C'est comment ça s'appelle? On a perdu le mot. Tu me poses un. Alzheimer qui revient. Il a 31 ans. Qui est cette costumière que la moitié des auditeurs connaissent. Il a eu 4 Oscars en costume. Ah, bah alors on doit la trouver rapidement, ce nom. Attends, parle, que moi je te trouve le nom, comme ça lui fait un petit coucou. Celle qui a réalisé. Elle m'a offert une écharpe en cachemire qui avait été tissée par les gens du costume. Trop bien. Avec une sorte de badge, et c'était en fait la figure de Chiline. Alors là, j'espère qu'un jour on aura une photo. Je l'espère. Je le souhaite. Madame Colleen Atwood. Ah bah oui, c'est elle. C'est Atwood. La reine Colleen Atwood. La reine Colleen Atwood. La reine des costumes. Ouais. Alors il y a une question de Melinda. Ça tourne souvent autour des acteurs. Quel est l'acteur qui t'a le plus impressionné parmi, j'imagine, son jeu d'acteur sur le film? Jeu d'acteur et charisme aussi. Oui, oui. Là encore, c'est compliqué parce que j'entendais un truc. Moi, je suis
D'ailleurs, je fais un petit hommage à un de mes héros de mon enfance, Edson Arantes do Nascimento. Oui. Le roi Pelé. Ah oui, oui, pardon. Absolument. Je connaissais pas, je suis désolé. Non, et qu'en plus, il est parti. Après. Ouais, ouais, malheureusement, il nous a quittés. Il vient de nous quitter, mais il ne nous quittera jamais. Dans nos cœurs. Et j'entendais des commentaires sur son départ et tout le monde essayait de faire dire alors, c'est le roi Pelé, le dieu Pelé, le plus grand joueur du monde, mais en fait, il y a quelques personnes qui ont répondu assez intelligemment, on ne peut pas comparer les joueurs, on ne peut pas comparer les époques. Et moi, autant je suis pour faire des récompenses parce que ça fait parler du métier, autant je ne suis pas du tout pour dire ça c'est la meilleure actrice, le meilleur acteur. Les gens sont très différents, comme dans la vie, et je pense qu'il faut aimer les gens tels qu'ils sont, et c'est peut-être leurs défauts qui font qu'on les aime encore plus et qu'on s'attache à eux. Donc c'est un amour actif, j'appelle ça. Et là, sur le plateau, c'est vrai qu'ils ont tous des qualités extraordinaires qui sont complètement différentes. Eddie, c'est une sorte de Charlie Chaplin, en fait. Ah, je l'ai Charlie Chaplin, j'aurais plutôt vu Dan Fogler, tu vois. Pour moi, c'était lui, le Charlie Chaplin. De... Non, parce qu'Eddie, il a une élégance, vraiment une sensibilité comme Charlie Chaplin. On est ah, oui. D'accord. Oui, Eddie, il a vraiment une douceur, une délicatesse. Ouais. Je dirais Charlie Chaplin, Buster Keaton, peut-être aussi. Et il travaille beaucoup dans le mouvement. Et tu le vois qu'il répète des choses, physiquement. Son corps se désarticule et il rentre vraiment dans une... Ouais. Dans une incarnation physique du personnage. Et tu sens que même la position de sa bouche, ses yeux, regarde le visage de... si tu regardes le visage de Newt et que tu regardes le visage de Eddie en interview, c'est pas le même visage. Ah oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et puis, il y a des acteurs qui m'ont surpris. Bon, il y a des acteurs dont je me sens proche parce que notre histoire est très proche. Mads, par exemple, vient du théâtre, comme moi. Il a fait beaucoup de danse, comme moi. Donc, les conversations étaient assez directes sur ce qu'on faisait et sur ce qu'on avait envie de faire. Mais j'ai vu des acteurs qui m'ont surpris. Alors, juste une petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas compris de qui on parlait. Mads, c'est Mads Mikkelsen, celui qui a interprété Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3. Voilà. Mais désolé. Oui, mais un acteur qui m'a surpris, par exemple, parce que je ne m'y attendais pas, je le connaissais vraiment trop de l'extérieur, j'imagine. Mais quand je l'ai vu jouer en face de moi, je l'ai vu, mais qui vibrait littéralement. Je me suis rendu compte que ce mec était fait pour jouer, c'est Johnny Depp. Ça me fait plaisir que je dise ça. Non, mais c'est vrai que Johnny Depp, on voit qu'il vit ses rôles et j'ai déjà eu plusieurs échos d'acteurs qui ont eu la chance de partager le plateau avec lui et à chaque fois, c'est la même chose. C'est un acteur qui incroyable. Il ne fait pas perdre le temps déjà à la production. C'est-à-dire qu'il arrive, il pose et t'as rarement besoin de tourner 3 ou 4 fois la scène. Quoi. Et il est capable. D'ailleurs, je crois même que dans Les Animaux Fantastiques 2, il y avait une anecdote sur lui, sur son fameux discours dans le cimetière du Père-Lachaise où, je ne sais plus c'était qui avait été interviewé, c'était pas le réalisateur, qui disait c'était incroyable ce moment parce que Johnny Depp est venu, il a fait cette longue scène en plan séquence non coupé. Coupé en une fois, une prise, et ils ont dit coupé, c'est dans la boîte. Une prise, incroyable. Après, j'imagine qu'il y a d'autres acteurs qui sont capables de le faire, je ne dis pas le contraire. Mais je comprends que tu dises que Johnny Depp est un acteur et ça se voit et qu'il est fait pour ça. Je comprends tout à fait. Il y avait d'autres questions, Lina, est-ce que tu veux nous lire une autre question? Oui, il y a Clem Garneau qui nous dit bonsoir. Coucou, Clem. Quelle est la scène que tu as préférée tourner, William? Et c'est un honneur de t'entendre. Et elle ajoute qu'elle remercie la plume. C'est mignon, merci. Merci à toi et surtout merci à William qui va répondre. Oui. Oh, c'est super adorable. C'est adorable. La scène que j'ai préférée tourner. Dans le 3, hein. Dans le 3. Parce qu'on sait que la scène que tu as préférée dans le 2, c'est quand tu disais « Je vais aller à la plume de Poudlard pour les renseigner sur Grindelwald », mais elle a été coupée au montage. On sait que c'est ça que tu préférais, mais c'est pas grave. Oui, effectivement. J'ai tenté de la replacer dans le 3. Ils m'ont pas laissé. Apparemment, c'est un succès. Je pense que la scène que j'ai préférée tourner, c'était... Moi, je dirais il y en a deux. Il y en a une, et en fait, quand je l'ai tournée... il s'est passé un truc, c'est qu'elle aurait pu être montée, elle était écrite différemment cette scène, et puis ensuite elle a été recalibrée parce qu'ils se sont rendus compte que dans l'histoire ça marchait pas tellement. Il y a un truc qui n'était pas balancé en fait, parce que c'est ça, c'est que dans un film on tourne des choses et parfois ce qu'on voit au final n'est pas ce qu'on a tourné réellement.
parce que sur la table de montage, le réalisateur se rend compte qu'en fait, quelque chose marcherait mieux dans un sens ou dans un autre pour le spectacle, pour le spectateur. Oui, en fait, sûr. C'est la scène qui se passe dans la salle de bal. D'accord. Allez, excellente scène. Hein. Ouais, je m'en. Ouais. C'est voilà. Un de mes passages préférés parce que c'est fantastique. Et dans cette scène-là, c'est une scène que j'attendais beaucoup parce que c'était une forme de comment dire, c'était la scène où Youssouf révélait son visage. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement ce qu'il foutait depuis le début, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il changeait de camp, on ne savait pas s'il avait trahi, son équipe ou pas. Dumbledore ou pas. Et son équipe n'est pas vraiment au courant de ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, son deal, c'est avec Dumbledore. Et donc, il est l'intermédiaire entre Dumbledore et Grindelwald. C'est l'intermédiaire direct, en fait. Donc, il va... mais en fait, il sait très bien que Grindelwald va réussir à lire dans son esprit. Et dans cette scène, normalement, tout le boxon qu'on voit se dérouler, au tout départ, était en fait déclenché par Youssouf. D'accord. Il était assis à la table, à côté de Grindelwald, et sous la table, il avait sa baguette qu'il sortait de sa manche, et il déclenchait la tornade. Oh, ça a complètement changé. Oh, quelle tristesse. Wow. Tu as brisé nos rêves, là. Non, non, mais c'est dommage qu'ils l'ont fait tourner différemment. En fait, après, ils ont plutôt utilisé Queenie pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait... Non, c'est pas Queenie, d'ailleurs. C'était... Lali. Oui, c'est Lali. Voilà. Et ils ont préféré renforcer le personnage de Lali à ce moment-là et lui donner un truc qui soit fort. Et ben, Youssouf en a pas... On a pâti, mais la scène a été filmée, c'est-à-dire qu'on a filmé tout le truc, tout le jeu de départ. C'était rigolo parce que au-dessus de la table, Youssouf était absolument normal, complètement détendu, et en dessous de la table, bah, il avait la baguette qui allait dans tous les sens et qui déclenchait tout. Trop dommage. Et donc ça a été coupé. Et c'est pour ça qu'ensuite on le voit qui récupère Queenie pour la faire sortir. Oh, c'est vraiment dommage parce que ça aurait donné beaucoup de sens à ce personnage-là, justement, de Youssouf Kama. Alors, je ne dis pas que Eulalie, que le personnage de Eulalie a crevé l'écran en 3, on va dire le contraire, mais parce qu'elle a été beaucoup mise en avant. Et justement, c'est dommage parce que on aurait pu comprendre pourquoi Youssouf Kama a été dans le camp de Grindelwald pour faire en fait un peu l'agent double et finalement, j'aimerais bien qu'on la mettre dans les best-of, là, dans le making-of, tout. Enfin, ce serait génial. Grave. Ce serait trop bien à voir. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Prochaine question. Oui, alors on nous demande, comme tu as fait du théâtre avant, comment tu passes du théâtre à une franchise des Animaux Fantastiques ? Voilà. Bonne question. Comment c'est un grand saut, en fait ? Alors, je pense que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ah, c'est sûr, mais quand même. C'est pas genre du jour, on vient de chercher en bas de la salle de théâtre. Hey, ça ne dit pas d'aller chez Warner ? Allez, viens. Oui, effectivement. On est beaucoup à avoir fait du théâtre. Hein. Par exemple, Eddie, juste après le film, est reparti sur les planches. Sur les cabaret. Et d'ailleurs, il a eu une récompense. Je crois qu'il a eu un Obie Award juste après. Oui, oui. Cool. Donc, dès qu'il a fini Secrets of Dumbledore, il est allé répéter. Et il a commencé à jouer. Et en janvier, je crois, il a reçu son award pour la meilleure interprétation. Donc, Cabaret, c'est une pièce qui existe déjà et qu'il a donc reprise. Mais j'ai envie de dire, en fait, le métier d'acteur, c'est un métier où il faut rester souple. Quand je me suis retrouvé au théâtre, c'est parce que j'avais fait une école de théâtre en France. Ça s'appelle une école de théâtre. Dans les autres pays, parfois, on dit une école de jeu ou une école d'acteur. En France, on appelle ça école de théâtre. Et donc, il y a un petit malentendu. On a l'impression que les gens qui vont en école de théâtre, c'est pour faire du théâtre. En fait, c'est pour jouer. Que ce soit du théâtre ou autre chose, ils veulent juste jouer. Et un acteur, ce qu'il doit apprendre, en l'occurrence, c'est juste comment convertir, en fait, son art pour différents médiums. Que ce soit une pièce radiophonique, que ce soit jouer un rôle dans un opéra, que ce soit faire du théâtre de rue, que ce soit... C'est le même métier, en fait. Maintenant, stratégiquement, c'est autre chose, mais au fond, à l'intérieur, c'est le même besoin de raconter une histoire. Après, autour, il y a toute une équipe qui vient bosser avec vous. Il y a un agent, il peut y avoir un promoteur, il peut y avoir un agent de presse. Et ça, c'est des personnes qui aident à vous mettre dans certains cercles qui vont vous donner accès
à d'autres médias pour exprimer votre art. Et ensuite, c'est à vous d'acquérir cette flexibilité-là, cette souplesse pour pouvoir s'adapter à tous les types. Voilà. J'ai une question pour toi qui est donc de Rem LOL 43. Mais encore toi ? tu poses beaucoup de questions, dis donc. Comment toi ? Non, mais moi j'aime beaucoup sa personne. Question parce que elle va me pouvoir me permettre de rebondir sur ta carrière dans le cinéma français. En fait, sa question est plutôt sympa. C'est dans le sens qu'est-ce que ça change de tourner dans des super productions étrangères type blockbuster et ensuite passer dans des productions françaises de plus petite envergure. Puisque on sait, en tout cas, on ne vous l'a pas encore dit, mais je pense que si vous ne le saviez pas, il va falloir que vous regardiez la télé. Nous, on l'a déjà vu. Hein. William Nadilam fait également du cinéma français. Il joue actuellement dans une série qui s'appelle Parlement. Une série qui, de premier abord, quand on dit Parlement, on pourrait se dire, ouais, bon, on va parler politique. Eh ben, pas du tout, fait, c'est une parodie de la politique. Et c'est justement juste. Mais c'est un humour pointu. Et j'adore. Moi, plus les saisons passent et plus j'accroche sur cette série et plus d'ailleurs le rôle que William Nadilam interprète prend de l'ampleur en plus, donc ça c'est encore cool. Et justement, donc je pense que la série est toujours encore de tournage. Enfin, j'imagine que ça va pas s'arrêter à la saison 2, il va y avoir une saison 3, non? On vient de finir de tourner la saison 3. Oh, voilà. Comme ça c'est réglé. et du coup, alors voilà, c'est vrai, qu'est-ce que ça fait de sortir des plateaux de Warner Bros à des plateaux de production française, probablement avec des budgets qui pourraient juste payer le café sur les plateaux de Warner. Effectivement. Oui, c'est un peu le cas. non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que au point de vue des budgets, c'est pas du kit au double, c'est du kit au millier, quoi. C'est vraiment. Ouais. Donc ma blague était pas si mauvaise que ça. Non, j'allais dire du kit au centuple, mais en fait c'est au milluple. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais c'est sûr. Du coup, qu'est-ce que ça fait de passer d'une production en réalité? Il y a deux choses. C'est-à-dire que d'une part, c'est parfois plus sympathique. Ça dépend des tournages. Moi, en fait, j'ai pas vraiment l'expérience des grands tournages hollywoodiens en dehors du Wizarding World pour le moment. Et un tournage avec David Yates et David Heyman, ça n'a rien à voir avec un autre tournage, que ce soit sur, James Bond ou je sais pas quoi. Moi, j'ai entendu dire que les autres étaient plus durs. Et je crois que lorsqu'on vient d'un univers où on a fait des films qui étaient à l'origine pour les enfants, on a une autre délicatesse, on a une autre façon de... Alors, je dis pas que c'est une règle générale, je ne dis pas que tous les films d'action, etc. sont rudes, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais conscient, en travaillant avec cette équipe-là, qu'il y avait vraiment un égard à l'autre qui était particulier et qui venait du fait que ces personnes... Alors, j'ai posé la question, c'est pas une chose que j'invente. Hein. J'allais demander à David Yates, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il y ait à ce point une forme d'intelligence entre vous? Ben, la réponse, elle est toute bête, c'est que ça fait 18 ans qu'ils travaillent ensemble. Ça fait 18 ans qu'ils travaillent ensemble. Oh, quelle merveille. Ils ont fait full Harry Potter ensemble. Bah, c'est la même équipe qui était sur Harry Potter. C'est les mêmes gens derrière qui se soutiennent. Là, sur Stuart Craig qui fait les décors, là, sur le 3, il a pris un coup de vieux. Il se déplace avec difficulté. Mais dès qu'il arrivait, c'était le Messie, quoi. Incroyable, je savais pas. Moi, je guettais ses venues pour voir, parce que pour moi, c'est une légende. Ouais, oui, Stuart Craig, oui, c'est clair. La question sur la scène que j'ai préféré jouer, il y en avait une autre, mais où j'étais pas très actif, c'était la scène finale qui se passe à l'intérieur de ce village, simplement parce que j'adorais marcher dans ce village. J'étais absolument effaré par le travail qu'ils avaient fait. Reconstituer un village comme ça, c'est... Justement, je me posais la question si ça n'avait pas été synthétisé, tu vois, parce que quand même, il y a un sacré décor. Hein. On parle beaucoup d'écran vert sur ces films-là, mais en l'occurrence, sur Les Animaux Fantastiques, il y a finalement très peu d'écrans verts. Les écrans verts, ils existent, mais ils sont vraiment hyper loin. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, deux pâtés de maison avant qu'il y ait un écran vert, quoi. D'accord. C'est vraiment fou. Non, mais pour en revenir à la question, donc effectivement, j'aurais tendance à dire que quand même sur un tournage, sur Parlement, par exemple, ce qui est super mignon, c'est que déjà, ils sont tous fans de Parlement, les gens qui travaillent dessus. Alors ça, c'est un point commun qu'ils ont avec l'équipe des Animaux Fantastiques, mais surtout, ils sont très jeunes,
et on voit le potentiel qu'ils ont. C'est-à-dire que la moindre assistante, le moindre stagiaire, on sent que ce garçon qui a 21 ans, 22 ans, il va peut-être faire les films qui vont vous faire travailler dans 5 ans. Quoi. C'est, on peut vraiment sentir le potentiel, on les voit. Wow. Et en fait, sur un tournage comme Parlement, il y a très 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 peu d'argent. C'est vraiment un tour de force de la part des producteurs d'arriver à produire ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et d'ailleurs, on avait cette conversation avec un des acteurs sur Parlement qui s'appelle Niccolò Senni, qu'il venait de finir le tournage. Il était en train de tourner en même temps avec Denzel Washington à Rome. Oh la vache. Ok. Et il faisait Equalizer 4. Ah ouais, ouais d'accord. Si je ne me trompe pas, 3 ou 4, 4. Donc on a parlé. On s'est dit, alors parlons-en, qu'est-ce que c'est de faire ces grosses productions? Et il me dit, moi, ce qui m'a étonné, c'est le niveau d'argent qui est dépensé. Et pour un acteur italien, on sait que l'Italie a traversé des crises économiques pendant longtemps. Il me disait, mais c'est fou parce qu'avec un jour de tournage sur Equalizer, on peut déjà faire un film en Italie. Donc, voilà, c'était ça qui était choquant. Mais c'est vrai que ça peut être plus difficile sur un tournage où on a très peu de temps de tournage. On doit avoir ce qu'on appelle, je ne sais pas si les auditeurs savent ce que c'est, une minute utile. Ce qu'on appelle une minute utile, c'est le temps qu'il faut dans une journée pour tourner ce qui sera l'équivalent d'une minute à l'écran. Ah bon, et wow. Voilà, et dans les films, parfois, on fait une journée entière, c'est 3 minutes utiles. Ah ouais. Ouais. Wow. Ouais. Et il y a même pire que ça. La fameuse anecdote que tu nous avais révélée lors de notre première interview, où tu nous disais, on a attendu 4 ou 5 jours d'avoir la bonne lumière pour une scène. Donc du coup, ça fait 4 ou 5 jours où on nous paye pour rien finalement, hein, où on paye tout le staff jours. Pour rien. Ouais. 6 jours. Et qui finalement a été tournée parce que la lumière est arrivée au bon moment, et qui finalement a été coupée au montage. En fait, c'était pas. C'était que la bonne lumière, on l'a eu le jour de la répétition. D'accord. Et ensuite, on ne l'a plus jamais eu. Ah, pas de bol. Pas de Donc, bol, pas on de essayait bol. De l'avoir parce que c'était une lumière magique, hein, un peu ce qu'on appelle les Golden Hours. Ouais, c'est ça, les heures d'or. Le directeur de la photo, qui est une légende aussi, Philippe Rousselot, espérait qu'on ait cette lumière. Et alors, chaque matin, à cette heure-là, on attendait. Tout était en place, on avait à nouveau répété, on était tous en costume, il y avait parce que dans cette scène il y avait des croissants, donc on était prêts à bouffer avec Nicolas Flamel. On n'a jamais réussi à l'avoir. J'imagine que le grand marionnettiste là-haut a décidé qu'on n'aurait plus. Et il se trouve que c'était un changement de saison et qu'au bout d'un moment l'équipe s'est rendu compte qu'on n'aurait plus jamais cette lumière. Là, on était rentré dans une lumière d'hiver et donc cette lumière ne reviendrait plus. Donc, c'est comme ça qu'on a. Il y a Rebecca qui nous dit William, c'est comme Pierre Belmar, on pourrait l'écouter pendant des heures. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est comme on est sage, on écoute. C'est clair, et ça fait déjà quasiment plus d'une demi-heure qu'on est déjà en train de discuter. L'histoire de la nuit. Il y a une autre question qui revient, William, c'est qu'on nous demande si c'est toi qui te double en version française dans les films. Oui. Oh, et il y avait une question qui était un peu liée à celle-là, c'était est-ce que c'est dur pour un acteur français de jouer avec des Américains en anglais américain? En langue anglaise. C'est une bonne question. Je croyais que la question allait être est-ce que c'est dur de se doubler? Parce que oui, se doubler en français, c'est l'enfer. Ah oui, ça aurait pu être ça, oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est l'enfer parce qu'on se retrouve à jouer sans les copains. Ah oui. Et on se retrouve à essayer de reproduire les émotions qu'on a joué, et on sent très bien que les gens dans la salle, avec la meilleure volonté du monde, les gens qui sont avec vous dans le studio d'enregistrement, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentiez au moment où vous avez tourné le truc. Donc c'est très très compliqué. Et puis après, il faut mettre ça dans des sonorités françaises. C'est pas... Si un jour, certains d'entre vous jouent du Shakespeare, vous verrez que jouer du Shakespeare en français, c'est pas la même chose que de jouer en anglais, parce que les sonorités... la petite boxe, le petit kickboxing des mots n'est pas le même. Et c'est la même chose lorsqu'on passe de Racine en français à du Racine traduit en tchèque ou en allemand. C'est pas la même chose. Mais par rapport à cette question, jouer avec les acteurs américains, j'ai envie de dire oui, parce qu'ils ont une technique complètement différente. Nous, en France, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits avec les nouvelles générations. Mais en France, c'est souvent très intellectuel, le jeu. Alors que
aux États-Unis, en Angleterre, il y a un cousinage entre les Anglais et les Américains. Déjà, il y a beaucoup d'acteurs anglais qui tournent aux États-Unis, et même les Américains ne savent pas que c'est des acteurs anglais. D'accord. Et parfois, ils sont un peu amers parce qu'ils disent mais les Anglais viennent nous piquer notre travail ici. C'est comment le jeu des Anglais du coup. Les Anglais, ils ont vraiment une. C'est quoi leur façon de jouer? De toute façon, il ne va pas se faire des amis, là. Non, mais moi, je veux savoir. Moi, j'adore les Anglais. J'ai plein d'amis anglais. Donc, j'ai plein d'amis comédiens aussi anglais. Mais je ne les ai jamais vus à Love. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de différent dans le jeu d'acteurs british? C'est lié à la langue. C'est-à-dire qu'en France, on a des acteurs tout simplement extraordinaires. En France, il y a des acteurs qui vous font vraiment. Les gens ne se rendent pas compte, mais il y a vraiment Et ce qui est intéressant aujourd'hui en France, c'est que les acteurs s'exportent beaucoup parce qu'ils prennent le risque. Et ça ne date pas d'hier d'ailleurs. Je veux dire, des acteurs comme Romy Schneider était française, comme Chopin était français. Et Marion Cotillard aussi. Aux États-Unis. Déjà, il y avait des gens comme Yves Montand qui voyageaient énormément, etc. Et aujourd'hui, que ce soit Irène Jacob, Marion Cotillard, il y en a plein. Juliette Binoche, toute sa carrière est à l'étranger maintenant. Les acteurs font preuve d'une grande souplesse, donc arrivent à se mettre. Voilà, Léa Seydoux, par exemple, travaille, je ne sais pas combien de films américains elle a fait ces derniers temps, mais on a fait un paquet. Adèle Exarchopoulos aussi. Oui. Mais lorsqu'on bosse avec eux, c'est un rythme différent, en fait. C'est une approche différente. C'est beaucoup plus technique, je dirais. Les acteurs ont ce qu'on appelle des écoles de jeu, que ce soit Stanislavski, que ce soit Meyrold, que ce soit Method Acting. Il y a vraiment des écoles de jeu, c'est très technique et ils vont très rapidement au but. Et ça a des avantages et ça a des désavantages aussi. Du coup, c'est mais pour vraiment... un acteur, en tant qu'acteur français, il faut juste en fait passer l'écueil de la langue et se dire « Ok, je ne vais pas me laisser intimider par... mon accent ou par... Et en l'occurrence, je dirais, c'est ma petite expérience et elle ne vaut que ce qu'elle vaut. Hein, c'est vraiment juste pour moi. Mais il faut juste accélérer son temps de préparation. C'est-à-dire qu'il faut être, prêt très rapidement et il faut être hyper concentré. Il faut être plus concentré que les Américains, plus concentré que les Anglais, parce qu'eux, ils comprennent beaucoup plus vite sans avoir besoin de se le dire. Et quand ce n'est pas dans nos habitudes à nous, il faut un temps d'adaptation. Moi, bon, j'ai commencé à travailler à l'étranger en 2008. Donc voilà, maintenant, je commence à voir, j'ai plus besoin de cette adaptation-là, mais pour un acteur français qui commence à jouer à l'étranger, il faut accélérer son temps de préparation. Bah alors, chapeau. Justement, hein. En parlant de temps de préparation, il y a des questions, alors je ne sais plus le nom et mon excuse, quelqu'un qui nous posait la question, combien de temps tu as pour répondre à une proposition de tournage? C'est-à-dire, si on te contacte, quelqu'un contacte ton agent te dit, tiens, j'ai tel film, voilà le script, qu'est-ce que tu en penses? Combien de temps tu as pour répondre favorablement ou défavorablement? J'imagine que c'est assez aléatoire, non? Ou peut-être que tu n'as pas compris la question. Peut-être qu'on a perdu William, simplement. Non, j'étais juste en train d'explorer le temps que j'avais pour répondre à ta question. Oh mince. Je vous ai dit, ce n'est pas possible de faire un ping-pong avec William, c'est impossible. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend de l'enjeu, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Il faut le temps d'exploration pour faire une réponse honnête et pas une autre. Donc... en gros, lorsque quelqu'un vient vers vous avec une proposition et que vous ne connaissez pas la personne, il faut le temps de faire ses recherches, savoir qui est cette personne, ce qu'il a fait avant. Il ne faut pas juger la personne sur ce qu'il a fait avant uniquement, parce que chacun fait des progrès. Il faut aussi savoir ce qu'on peut apporter, nous, au projet. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que je vais vraiment apporter quelque chose de signifiant à ce projet? Est-ce que je vais vraiment le bonifier? Est-ce que c'est pour moi, ce rôle? Et est-ce que c'est pas... un piège pour la production qu'il propose, est-ce que c'est pas un piège pour moi? Est-ce que c'est un rôle que j'ai déjà joué ou pas? Voilà. Et le temps que ça prend, moi j'ai déjà attendu jusqu'à un mois pour donner une réponse sur un truc. Mais en général, quand j'attends, c'est plutôt bon signe. C'est bien. Si le projet n'est pas pour moi, je réponds assez vite que c'est pas pour moi. Pour permettre aux gens de continuer la recherche et de travailler et de ne pas perdre du temps. Moi, j'ai une question qu'on ne t'a pas posée dans les commentaires, mais c'est plutôt moi qui te la pose. Est-ce que tu aurais un chiffre à nous donner? Par exemple, combien de castings tu passes et sur combien de castings tu as passé, tu as été retenu?
Pourcentage, tout ça. Tu veux Moi, je sais pas. Non, mais c'est pour ceux qui veulent se lancer un jour dans le cinéma, qui se disent pas, j'ai fait 5 castings, personne m'a pris, c'est pas pour moi le cinéma, nanana. Alors que je suis sûr que ça arrive à tout le monde, même aux grands acteurs comme toi, de te dire, j'ai fait, je sais pas, 100 castings et j'ai été pris que 3 fois, quoi. Alors moi, alors je vais essayer d'adapter parce que bon, ma position est un peu particulière. Je suis pas vraiment un très très bon exemple dans la mesure où moi je suis un acteur français de père africain et de mère indienne qui est allé s'exporter un peu à gauche et à droite. Et ça, ça m'est venu du fait que d'une part j'ai bossé au théâtre avec un metteur en scène qui nous faisait beaucoup de tournées internationales. Nous étions une troupe française basée à Paris, mais on tournait à l'international. Ça m'a donné le goût de travailler avec les autres. Mais si j'étais resté en France uniquement, si j'avais uniquement gardé mon champ d'action en France, ça aurait peut-être été plus difficile. Je sais que, par exemple, après avoir joué une pièce au théâtre comme Hamlet, qui est le rôle dont tous les gens rêvent, tous les acteurs garçons qui font du théâtre, et d'ailleurs filles aussi, rêvent de jouer Hamlet, c'est vraiment un rôle extraordinaire. J'avais joué ça avec un des plus grands metteurs en scène au monde, et quand on a arrêté la tournée, en fait, je crois que j'ai dû rester pendant un an sans travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de proposition valable, et les bons castings que j'ai passés, je les ai tous ratés. Enfin, ratés. Ça aussi, c'est un mot qui est à bannir de son vocabulaire. C'est pas vraiment raté. C'est pas raté. C'est que ils ont choisi une autre personne qui, pour eux, semblait être le plus enfin, qui collait plus à ce qu'ils avaient. Dans leur idée des personnages, voilà. Exactement, qui collait plus à ce qu'ils pensaient vouloir à ce moment-là. Parce que les gens se mordent les doigts. Hein. Moi, j'ai rencontré un metteur en scène il y a pas longtemps qui me proposait un film. Et le dernier film qu'il a fait, c'était il y a un certain nombre d'années. Dans ce film, il a pris 2 stars françaises. Il s'est mordu les doigts pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il a mis tout ce temps-là pour se remettre d'avoir fait cette erreur de casting. Ah, mince. Et pourtant, en faisant ce casting, il a éliminé pléthore d'autres acteurs et actrices. Mais ces deux acteurs-là l'ont fait souffrir pendant le film. Ils n'ont pas donné ce qu'il voulait. Il a fait son film à moitié, etc. De toute façon, faire du cinéma, j'avais un grand ami qui était metteur en scène et professeur de cinéma qui me disait, faire du cinéma, c'est maîtriser l'art de la désillusion. C'est-à-dire qu'on part avec un projet. Il faut savoir que son projet, on a beau être amoureux de son projet, il faut collaborer avec d'autres personnes. Mais à ce moment-là, il faut... Ah non, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est maîtriser l'art de la désillusion avec grâce. Donc, il faut s'inventer la grâce de collaborer avec d'autres personnes, d'accepter que son idée soit altérée par d'autres personnes et de trouver, pas un pis-aller, mais j'ai envie de dire, d'inventer une expression, un meilleur aller. Donc, voir quel sera le meilleur compromis à la fin. Et c'est ce compromis-là que voit le spectateur. C'est la somme de ces compromis. Donc, lorsqu'on voit un film comme, que ce soit Les Animaux Fantastiques ou un autre, il faut savoir que ce que le spectateur voit, c'est le résultat de la somme de plusieurs tentatives, de plusieurs personnes qui sont extrêmement hétéroclites, qui sont différentes. Waouh. C'est profond. Encore c'est une fois. Très beau, comme toujours. Je vais te poser des questions cette fois-ci où ça va être du quick question. Alors, plutôt cuisine indienne ou africaine ? Indienne. Ah. Tu es Team Grindelwald ou Dumbledore ? Faire un choix. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Je suis Team Big Love. tu es Harry Potter ou Animaux Fantastiques ? Fantastique. J'imagine bien. J'ose, mais tu peux dire Joker. Vraiment, tu peux dire Joker. Je sais. Mads Mikkelsen ou Johnny Depp ? Super Joker. Oui. Je comprends. Et vous avez d'autres questions là en quick, oui, rapide ? Il y en avait plein. On demande si tu réponds à tes fans. Oui, ah oui, c'est ça. Tu réponds, ouais, des lettres. Non, mais déjà, attends. On va commencer par la base. Des autographes. Si quelqu'un veut te contacter, comment il fait ? Déjà, message privé. Mais comment on contacte ? Non, mais message privé. Non, mais nous, on sait comment on l'a contacté. Il doit être submergé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une adresse, voilà, où on peut t'écrire ? T'as un site internet ? Contacter, en fait. Oui, j'ai un site internet qu'il faut que je remette en forme parce qu'il marche pas très très bien. Et mon site internet, c'est tout simplement nadilam.com. Oui, www.nadilam.com. Et là, le site va tomber en 5 minutes. Il va cracher le site. Si on m'envoie des messages gentils sur Instagram, il m'arrive de répondre. Quand je réponds pas, c'est pas
Si je réponds pas, c'est en général parce que je suis pas encore assez actif sur les réseaux sociaux. Il faudrait que je m'y mette. Et que tu trouves le temps. Et que j'ose aussi. Pas. C'est vrai que je suis un peu intimidé par les réseaux sociaux. Je me dis, c'est difficile pour un acteur lorsqu'on parle dans un contexte, on est interprète en fait. Les mots sont écrits pour nous. Donc c'est facile d'avoir l'air intelligent. Quand on doit être l'auteur de ce qu'on raconte, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'il faut une certaine audace en fait pour y aller. Mais je vais y aller. Je vais y aller. Barack Obama a écrit un bouquin qui parle d'audace. Hein. C'est l'audace qui l'a fait devenir président des États-Unis. Donc je pense que je peux bien avoir l'audace de répondre à un message Instagram comme ça, tu vois. Je vais faire un effort. Ou dans la foi, n'y allez pas tous ensemble. Hein, parce ouais. Sinon, le pauvre. Sinon, pas de réponse. Hein. Et moi aussi, j'ai une petite question pour toi. Alors, c'est une question un peu pouf souffle. Hein. Qu'est-ce qu'on mange sur un plateau de tournage? Ah, c'est gourmand de ça. Ça dépend de ton beurre. Bon, on a entendu les croissants déjà, le matin. Non, alors les croissants, c'était pour la chaîne. Hein. C'était pour une scène de tournage. Pour la scène. Oui, les animaux fantastiques 2. Mais elle a été coupée. Déj, elle a été coupée. Oui, oui. Petit oui déj, non, mais elle a été croissants. Coupée parce qu'à force de la faire, les acteurs avaient pris 3 kilos de. Il rentrait plein. Il n'y avait plus de farine à la boulangerie. Il n'y avait plus d'écran et dans le costume. Non, mais par exemple, Claudia qui jouait Nagini. Oui. Oui. Magnifique. Je ne l'ai jamais vu croquer dans un croissant. Et je pense que c'est parce qu'elle avait. C'était eu égard au département costume. Elle s'est dit si je croque dans ce croissant, je ne rentre plus dans le costume. Ah, c'est très, très, très moulant, la robe de Nagini. Ouais, ça a oui, craqué après. Ouais, non, mais elle aussi, c'est une belle personne. Ah, c'est oui. Vraiment quelqu'un de. Elle est telle. Mais lui, il parle de la personnalité. Quand il dit belle oui, personne, oui, je précise, oui. Il parle de la personnalité. Esthétique. Même oui, si esthétiquement, elle est très jolie. Par exemple, à un moment, il y avait un acteur qui était pas bien. Elle a fait une prière pour cet acteur. Enfin, qui oh, fait ça. Oh, elle est mignonne. Non, c'est vraiment quelqu'un. Non, mais sur un plateau, en fait, bon, c'est pas. Je vais donner une réponse qui va un peu décevoir et un peu couper la magie. On mange très peu. En fait, les acteurs mangent très peu. Ils font très attention à leur ligne. Ils font très attention à manger de façon saine parce que c'est un tournage long. Et qu'il faut tenir, jusqu'à la fin, il ne faut pas tomber malade, etc. Et donc je très, sais que bah, Eddie, alors, par exemple, il a un régime qui est vraiment tiré au couteau. Donc c'est pas burger tous les soirs. Ah, j'ai entendu la sonnerie de fin de mythe. Avec William. C'est l'agent, il est derrière avec son chrono, là, et c'est bon là. tu vas lui coûter cher. Donc la réponse à la question, c'est oui, ce qu'on mange est assez. Les gens mangent beaucoup de salades, ils mangent légère. Beaucoup de. Ils mangent léger, mais en même temps, ils prennent des protéines pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. J'ai encore quelques petites questions, on va faire très très vite. Est-ce que tu as déjà été contacté pour le quatrième film? Je n'étais pas obligé de répondre, tu peux dire Joker, parce que c'est généralement c'est ultra confidentiel. Je te la pose par principe, parce que quelqu'un nous l'a posé là, bah, à l'instant. Mais on sait qu'on ne peut pas poser parler. La question. Oui, et ça. Que même si tu as eu la proposition, tu pourras pas le dire. Donc de toute façon, là, bah, bref, vas-y, tu en peux répondre. Avis, on tente. Non, mais de toute manière, ce serait beaucoup trop tôt pour parler de quoi que ce soit. Qu'on me contacte maintenant. Il arrive, on ne sait pas. Personne ne le sait. Il arrive assez tard, oui. Ouais. Il arrive assez tard. Et puis surtout, la Warner garde très, très jalousement tous les secrets jusqu'au dernier moment, toujours. Que ce soit pour nous, que ce soit pour des films comme Wakanda ou. Voilà, tous ces films-là, c'est toujours très, très tard qu'on. Prend les décisions finales. Et pour vous dire, William, nous on connaît des personnes qui travaillent sur la technique des films de Warner Bros. Donc on a des infos à la source, hein, c'est-à-dire qu'on sait quand le tournage commence, on sait. Et des fois, on est prévenu que 3 ou 4 semaines après que le film est démarré. Donc même nous, qui pourtant avons des très très bonnes sources, on n'est pas souvent au courant de tout. Donc je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Et puis surtout que là, c'est un sujet assez brûlant, les animaux fantastiques, on ne sait pas du tout. Enfin là, Warner Bros. Laisse la communauté dans le vague. Est-ce que ça va continuer ou pas? On ne sait pas. Il laisse le suspense et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je croise les doigts pour que Youssouf Kamar revienne à l'écran. C'est vraiment, je croise les doigts. Ah, on espère.
J'ai une question qui n'est pas une question interview. Est-ce que tu m'autoriserais à t'envoyer un petit colis avec des baguettes de Youssouf Kama, non dédicacées, avec des photos non dédicacées, et que je te mette dedans un bon retour, et que quand le colis revienne au studio, et ben les baguettes et les photos soient dédicacées pour qu'on puisse les offrir ce soir par à nos magie. Abonnés. Par magie, ils sont tous magie. Dédicacés. Est-ce que tu crois alors que c'est ça, possible? Avec grand plaisir. Mais on t'aime fort, William. C'est très gentil, William. T'inquiète pas, on ne verra pas beaucoup. On va t'envoyer trois baguettes et une dizaine de photos et pas plus. Mais surtout, si, n'hésite pas à rentrer dans le colis et à venir au studio de la promotion. Tu nous dis, c'est un porte-loin. On t'enverra un grand colis de 2 mètres de long. Et... Mais on ne mettra pas que ça. On te mettra également un petit cadeau de France, même si tu es français. Un petit bout de camembert. Voilà. Des croissants sous vide. Ah, mais il paraît que tu aimes bien la cuisine italienne et l'Italie. Ah, est-ce que c'est vrai? Ben oui. Moi, je t'aime aussi, tu sais. On va mettre la coma dans le colis. Alors... Quand tu veux, je te fais des lasagnes et la parmigiana. Ah, ouais. Ah. Génial. Bon, ben, l'invitation est lancée. Voilà. Bon, ben, du coup, William, on va pas abuser de ton temps. On sait que la vie d'un acteur est très rythmée. Donc, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. C'est énorme. Généralement, on parle à un acteur pendant 10-15 minutes. Là, ça va faire une heure. Les abonnés, vous avez eu trop la chance. C'est un grand honneur d'avoir avec nous William Nadilam, quoi. Donc, c'est incroyable. Bah, merci à toi. Pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a qui me disent, mais attends, tu veux offrir un cadeau français à un acteur français? Non, mais en fait, William est un acteur français qui vit en France, mais pas que. Il est, comme il l'a dit au début de l'interview, il est actuellement aux États-Unis. Il est au manque de la cuisine française. Voilà. Il a c'est droit. Ça. Donc, je te les compte pas parce qu'il y en a trop, mais il y a des milliers de merci dans les commentaires. Merci, William. De bonheur. Bonne bogey, bah, merci alors. William, merci du temps, c'était un vrai plaisir. Je découvre il y a quelqu'un qui avait marqué je découvre un grand acteur. Bah voilà, tu vois, c'est vraiment pour finir là-dessus, je vous recommande vraiment la série Parlement. Bon, il nous a dit William là qu'il avait tourné sur un autre film où il joue le rôle d'un détective. Est-ce que tu peux en dire plus ou pas? Pas pour le moment. Donc, on vous fera évidemment. On vous passera les informations lorsque l'on pourra, évidemment. Et on souhaite tout le meilleur du monde pour la suite. Est-ce qu'un jour on verra William Nadilam derrière la caméra? Réalisateur. Joker. Alors ça fait partie des trois trucs trois petits points que je voulais avec lesquels je voulais vous laisser. Le premier, c'est que alors, pour revenir à la question de la télévision, le cinéma, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pourquoi je fais la série Parlement, c'est parce que l'auteur de cette série, je l'ai rencontré sur un film dans lequel j'ai tourné un petit rôle. Et ça répond aussi à la question des rôles qu'on accepte ou pas. Et un rôle que j'ai accepté tout de suite, alors que j'aurais pu dire non parce que c'était un petit rôle qui n'était pas très... Enfin, un petit rôle, il n'y a pas de petit rôle. Hein. Ça, c'est vraiment une chose... Non, je veux dire, un temps d'exposition à l'écran qui était très limité. Oui, oui. Voilà. Mais par exemple, moi, j'ai vu un film, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que ça s'appelle Antoine Fisher, qui était un film réalisé par Denzel Washington. D'accord. Et ça répond partiellement à ta question. Et sur ce film, il y a une actrice, je n'ai vu qu'elle, en fait, de tout le film. Elle a eu une scène et elle a complètement dépouillé ce film de tout. Elle a volé la vedette, quoi. D'accord. Et je me suis rendu compte, c'est lorsque le générique de fin s'est affiché, que je me suis rendu compte que cette femme avait une seule scène de tout le film. Incroyable. Une seule. Et elle a réussi à marquer le film. Voilà, parfois il suffit d'une scène. Voilà, comme un footballeur aura besoin de 1 minute pour remporter le match. Une scène. Et donc, sur ce film-là, j'avais dit oui, tout simplement parce que mes deux scènes étaient avec Matt Damon. Et c'est un acteur qui m'intrigue beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, mes deux petits points, ils sont liés par rapport à Matt Damon. Et donc, c'est sur ce film-là qu'un auteur qui a travaillé sur Dipan, qui a travaillé sur Un prophète de Audiard, m'a repéré et m'a dit, écoute, je suis en train de faire une série. Ça n'a rien à voir avec ce film qui s'appelle Stillwater.
Ça, il a dit. Giacomo vient de me donner je le nom. Il a dit Amika. Incroyable. Ah, mais elle te stalk, Giacomo. Elle vient de me dire le nom du film. Moi, j'adore le cinéma, donc je suis Jack tout. Giacomo, moi, on est en lien télépathique. Ah, mais c'est ça. Ça. Mais il est sorti le film ou pas? Non, pas encore. Oui, si, il est sorti. Ah, il est sorti, d'accord. C'était un film avec Camille Cotin. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et donc, cette personne m'a dit « Est-ce que tu veux pas lire ?» Alors, j'ai regardé ça, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pour quelle chaîne ?» Non, c'est pas pour une chaîne, c'est pour une plateforme. « Ah bon, mais c'est quoi cette plateforme ?» C'est un truc qui s'appelle, qui n'existe pas encore, qui va s'appeler France Télévisions. ça vend pas du rêve. Hein. Voilà, ça vendait pas vraiment le truc. Je me dis « Bon, je sais pas. » Et j'ai commencé à lire le scénario et ça m'a fait pouffer de rire. Et je me suis dit « Mais c'est fort d'arriver à me faire rire avec le Parlement européen. » Ah bah grave. Voilà comment je me suis retrouvé à faire… Voilà. Et ça, c'est les liens qu'il y a entre la télévision, ça peut passer par le théâtre. Ça. Le cinéma. J'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Joe Wright, qui a écrit un film qui s'appelle Anna. Et maintenant, il y a une série qui s'appelle Anna sur Prime, Amazon ou un truc comme ça. D'accord. Et ben, ce mec, il vient du théâtre en fait, Joe Wright. C'est un des gars qui a lancé Keira Knightley. Mais il vient du théâtre, ses parents étaient marionnettistes, il y avait un théâtre de marionnettes. Oh, c'est cool. Donc, ça, il y a vraiment un lien entre toutes ces choses. Voilà, j'adore. David Yates, en fait, avant de faire Fantastic Beasts, il faisait de la télévision. David Yates, il faisait... Mais David Yates, il avait travaillé sur Harry Potter. Avant Harry Potter, il travaillait à la télévision. Ah, je t'avais dit avant Animaux Fantastiques. Pour ça, j'ai eu peur. qui étaient des films politiques, qui étaient des films à portée sociale. Et il est parti de cet univers et c'est ça qu'il a apporté dans Harry Potter. Incroyable. C'est un revirement total. Mais de toute façon, c'est une art transversale en réalité. Et donc, du coup, tu es en train de nous dire à demi-mot que tu aimerais un jour passer derrière la caméra, en fait. C'est ça, mais oui. Alors là, pour en revenir à Matt Damon, un jour, je lui ai demandé. Je n'ai pas passé 350 nuits avec Matt Damon, mais un jour, je vais passer. Petit cachotier. Moi, j'aurais bien aimé passer aux nuits. Mais il est très avec sa famille. Il est très, il est très proper. C'est un des mecs les plus gentils que j'ai rencontrés sur un tournage, mais vraiment d'une grande gentillesse. Encore une fois, ce qui fait que j'ai répondu ce que j'ai répondu lorsqu'on a commencé cette conversation il y a 3 heures. et un jour, je lui ai demandé, mais dites-moi, comment est-ce que vous êtes arrivé à la réalisation, à la production ? Et il m'a fait la même réponse que m'a fait une des actrices de Parlement qui s'appelle Liz Kingsman, qui est en train d'exploser en Angleterre. Liz Kingsman, l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, l'an dernier, en 2021, elle était citée parmi les 7 femmes les plus influentes du Royaume-Uni. Wow. Et là, elle est dans le Parlement et elle a un one-man show qu'elle fait jusqu'en mi-janvier en Angleterre. Et elle était au même titre que les femmes politiques, etc. Quoi. C'est elle qui fait la députée... L'assistante. L'assistante, ok, d'accord. L'assistante parlementaire. Tout à fait, qui est le love interest du rôle de Sammy, qui est joué par Xavier Lacaille. Oui, elle est anglaise. Ah oui, elle est anglaise. Elle l'envoie péter et tout au début. Ouais. Ah, non, j'adore cette actrice. Et les châtains au burn avec les yeux bleus. Hein. Elle est vraiment très jolie en plus. Et d'ailleurs, petit secret maison, en fait, elle n'est pas anglaise, elle est australienne. Et australienne, d'accord. Excellent. Elle joue le rôle d'une anglaise, mais australienne. Ouais, mais elle parle super. Alors attends, parce que du coup. Elle parle super bien anglaise. Bon. Parce que du coup, on a lancé le boomerang sur une question à William. Là, le boulon, il va revenir. Mais du coup, alors, tu vas passer derrière la caméra ou pas? En fait, ce qu'ils m'ont dit l'un et l'autre, Matt Damon et Liz Kingsman, à 2 ans d'écart, c'est on est devenu producteur parce que personne ne voulait de nous. Carrément. Du coup, le jour où personne voudra de toi, tu passeras derrière la caméra. Mais nous, le jour où personne voudra de nous, je passerai derrière la caméra. Non, mais ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, il y a nécessité. C'est qu'on est mu vers quelque chose par nécessité. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer que personne voulait de Matt Damon et Ben Affleck. Mais grave. Personne voulait de Jason Bourne et de Batman. C'est un peu bizarre. Carrément. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on a des choses à dire, il faut y aller. Et je pense que comme j'ai pas mal d'histoires à raconter, comme vous avez pu le constater, je pense que je vais naturellement passer derrière la caméra à un moment ou à un autre. Ah,
Alors là... Et j'invite tout le monde à le faire. Je pense que tout le monde. Je pensais que tu allais dire j'invite la plume à passer devant la caméra. J'invite la plume à passer devant et derrière la caméra. Après, William, je te comprends parce que c'est un peu comme les danseurs. Après des années, c'est une évolution naturelle de devenir après professeur de danse dans des écoles de danse. J'ai plein d'amis danseurs qui, après des années, c'est une évolution naturelle. Apprendre et donner la relève. Exactement, donner la relève aux autres ou évoluer vers une autre profession que c'est similaire, mais c'est autant enrichissant. Mais est-ce que tu as déjà écrit des scénarios? Oui. Il veut de l'info, il veut du conscient. Il a la réponse en plus. Ça, c'est du tac au tac. Hein. Oui. Est-ce que tu as différents genres de films que tu aimerais bien faire ou tu es vraiment inspiré par une certaine catégorie de films, genre science-fiction ou drama? Ah, je vois pas la science-fiction, oui. Ou crime. Oui, j'ai un petit pseudo, oui. Horror, historique, je sais pas, romantique, comédie. Moi, je vois plus William Nadilam sur le côté relation entre êtres humains, tu sais, le social, la complexité des relations humaines. Des relations humaines. Mais peut-être que je me trompe. Du coup, tu as déjà écrit des scénarios, mais centré sur quoi? En fait, tout ça m'intéresse parce que. Tous les genres. Il n'y a pas de mauvais acteur, il n'y a pas de mauvais sujet. Les gens m'intéressent comme dans la vie. Quoi. Là, par exemple, j'ai écrit un sujet de série. Et c'est assez politique, en fait. Ça parle de géopolitique. Ça parle de la façon dont... comment dire, ça parle un peu du voile qu'il y a entre les gens qui gouvernent et les gens qui sont gouvernés. Et comment est-ce qu'on ne nous raconte pas tout, voilà. Mais en même temps, dedans, je mets de l'imaginaire. Je réinjecte toujours un truc qui est de l'ordre de l'imaginaire. J'ai écrit un autre truc, par exemple, qui est une histoire qui se situe... entre la Russie et la France en 1724. Et très rapidement, il y a des moments qui sont... Enfin, ce n'est pas de la science-fiction avec des effets, mais c'est des moments magiques. Quoi, d'avoir. En gros, j'ai besoin qu'il y ait de la magie dans les choses. Donc si c'est en 1724, ce n'est pas les Russes, c'est les Prusses. En 1724, non, c'est la Russie. C'est déjà la Russie. Ouais. Et Mika, il faut un peu revoir tes cours d'histoire. Oui, exact. À mon avis, lui, il draguait les filles plutôt qu'écouter le professeur d'histoire. Je dessinais. Je faisais des dessins. Tu dessinais le banc. Tu étais en train de dessiner le banc, de faire des graffitis. Toi, t'écoutais pas l'histoire, toi. Donc, du coup, un jour, peut-être que. Attends, juste une dernière question, vraiment une toute dernière. C'est la question poignée de porte. Est-ce qu'il y a un de tes. J'ai entendu ça. En fait, la question poignée porte, c'est la question. Tu sais, quand tu vas chez le docteur, tu lui dis j'ai un peu mal là. Et puis en fait, quand tu pars et que tu mets la main sur la porte, la et poignée, en fait, tu te retournes partir, et là tu poses ta vraie question. Tu vois, là tu poses ta question, la grosse question. Quoi, tu vois. Avant de partir. C'est la question à la. Comment il s'appelle, Colombo? c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, t'inquiète pas, c'est pas une question méchante du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un de tes scénarios qui a déjà été réalisé? Non. Ah, et donc du coup, ça veut dire que ça va bientôt arriver. William, pense à nous. Si t'as besoin d'une actrice italienne, c'est moi. Comment elle se place, casting à mort. Écoute, moi je suis là en figurant, si tu veux. Je peux même tenir les perches de micro, il n'y a pas de problème. Je crois que t'as toute la plume en figurant. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un source. Hein. Très bien, bah, c'est noté. Bon, William, on ne va pas te retenir, on sait que tu es très pris. En tout cas, c'est un immense plaisir de t'avoir à l'antenne de La Plume de Poudlard. J'espère que vous, abonnés, vous avez pris du plaisir à écouter ce merveilleux acteur qui vraiment, en plus... Bon, on vous le rappelle, c'est le parrain de La Plume de Poudlard, donc ça nous touche énormément qu'il soit là pour l'anniversaire des 4 ans, etc. Sois béni le jour qu'on l'a rencontré. Oh là, mon Dieu, oui. Je te jure, on a eu une chance. Et on a beaucoup d'anecdotes à raconter sur ça. On s'est plus quitté. C'était love at first sight. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup de La Plume qui aimeraient te rencontrer. Donc, n'hésite pas à venir. On essaiera peut-être un jour de te proposer de faire une rencontre avec les fans. Mais bon, c'était un coup de foudre. Tout dépend de ton agenda. Qui est très chargé, j'imagine. Bon, merci beaucoup, William. Je te souhaite une très très bonne soirée. Au nom de La Plume de Poudlard, pardon. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt. Merci William, je vous dis, à très très bientôt. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien juste vous chanter une petite chanson. Ah oui. Moi je sais ce que c'est. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jack Ma. Happy birthday to you. Je vais pleurer, je pleure, ça y est. Bon, voilà, si vous venez de nous rejoindre, c'était William Nadilam qui vient juste de chanter Happy Birthday à Giacomo. C'est un moment lunaire. On est sur une autre planète totale. C'est la chance de ma vie. C'est le jour le plus beau de ma vie, bien sûr, après, après la mise au monde de mes enfants, bien sûr, et le mariage avec mon bébé. Bon, bah, du coup, ça vient en 10e position. Merci, William, c'est trop beau. Et tu chantes super bien, en tout cas. Oui, t'as une voix magnifique. J'ai fait aussi un bisou à mes jumeaux parce qu'en fait, personne ne sait, mais je fais partie d'une triplée. Il y a donc mon frère jumeau Carmelo et ma soeur jumelle Teresa. Et ben, on est nés le même jour, donc à 5-6 minutes d'écart. Et donc, bah, c'est aussi l'anniversaire de mes jumeaux. Quoi. Je vous fais des gros bisous, mes frères et soeurs, moi je vous aime. Il y a Rebecca qui met en commentaire voilà comment on fait pleurer une italienne. En fait, il y a deux façons. Tu peux aussi lui dire que ces lasagnes sont dégueulasses. C'est pas le cas, mais Michael il aime pas mes lasagnes. C'est du vécu, hein, c'est du vécu. Non, je vous raconte pas de blagues. Hein. Il aime pas la lasagne tout court, hein, c'est pas ma faute. Non, ouais, hein. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, ça William. Merci William. J'ai fondu. Bisous, je t'aime ciao, fort. Ciao. Merci. Bon, on va essayer de reprendre ces événements. Trop d'émotions. Et du coup, vous l'avez entendu, on va vous faire gagner des baguettes dédicacées de William Nadilam, Youssouf Kama, donc des animaux fantastiques. Donc il va falloir qu'on demande à nos partenaires de nous envoyer des baguettes. Jus de citrouille. Ils sont où? Ah, ils sont là. Donc du coup, voilà. Donc on va vous faire, bah, ce soir, on va vous en faire au moins gagner deux. On en gardera une troisième qu'on mettra en jeu plus tard sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, on vous le dit, hein, avant la fin de la soirée, vous allez gagner deux baguettes dédicacées de William Nadilam. Et on va tirer au sort au moins 5 noms d'entre vous là qui vont gagner également des photos dédicacées. Ouais. En plus de tous les cadeaux qu'on a là, les 25 cadeaux de Noël. Je sais pas comment je fais pour vous les montrer en vrai. Non, je peux pas vous les montrer, mais ils sont là. Là-bas, c'est la caverne. On a notre sapin, c'est la caverne d'Ali Baba. Tiens, un meuble un peu, je vais leur montrer. En fait, Nicolas, depuis le début du live, vous savez pas, il est en train de baver. Il arrête pas de regarder, là, il est en train de baver. Sur un des lots, il y a un peu de ma bave, pardonnez-moi d'avance. Il y a Dobby, et depuis tout à l'heure, le pauvre, il en peut plus. Ah, c'est le moment que vous avez attendu depuis des jours et des jours et des jours. Celui qui va gagner la figurine de Dobby. Il n'y a pas de lumière. Dommage. Bah, Mika, dirige. Là, il y a plein de Mika, dirige la lumière. Attendez, je mets mon flash de télé. Ah non, ça y est, c'est bon, regarde, ça y est. La magie. Bon, il y a tout en bas. Alors, aussi, du coup, vous me voyez sur la caméra. Donc là, du coup, on voit tout le matos qu'il y a ici. Tout ça, ça a gagné. Alors, pas sur les étagères. Hein. Ça, c'est notre collection. Ni la caméra à 2000 euros. Elle n'est pas gagnée. Non, il y a le Dobby en grandeur réelle. Il y a des pop. Il y a les figurines, ni fleurs. Tu fais notre. Non, mais attends. De toute façon, on va les prendre un par un et on les met sur la table. Tu fais. Non, mais il n'y a pas tout. Montre. Il n'y a rien qui rentre. On va les mettre sur la table. Ah, sur la table? Mais quoi? Dobby sur la table. Non, pas Dobby. La tourne mal. La table, et hop là, c'est parti. Non, on va pas mettre Dobby quand même. Non, mais pas tous. Les petits que tu peux prendre, à la limite, oui. Ça. Vas-y. Allez. À ton tour. Du carton. Un carton. Ben, oh, un carton. Et sinon, tu nous les passes quatre, comme ça déjà. Ah, attends, donne-moi le carton, je vais expliquer. Oui, parce que un carton. Alors, du coup. On vous explique. Qu'est-ce que c'est? Recevoir un carton. La chouette postale. A mis au pied de ces 25 lots ce cadeau avec le petit macaron qui a écrit juste là. Qu'est-ce que c'est? Focus, caméra à 800 balles là. Ah, ça sert à rien. Ah oui, mais il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière. Voilà. Ah yeah.
Oui, c'est bon, on voit. Alors. C'est marqué si, on voit. On voit, c'est écrit à l'envers. Oui, c'est donc voilà, donc c'est écrit, donc Jules Citrouille, vous connaissez. C'est un colis surprise. C'est un colis surprise, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il y a quelque chose dedans. Il n'y a que ceux qui vont préparer le colis qui savent ce qu'il y a dedans. Et il y a combien de cadeaux dedans? Il y a combien de cadeaux dedans? Dans celui-là, c'est un cadeau surprise Harry Potter, donc il y a 7. 7 cadeaux. Oh. 7 cadeaux Harry Potter dedans. Pourquoi 7? Parce que si tu sais pas, c'est si tu sais pas, si tu sais pas qui te live. C'est parce que t'es pas un vrai fan. Ensuite, on a également un puzzle 3D lenticulaire de Severus Rogue. Offert par qui? Alors, justement, c'est le comptoir des sorciers. Ouais. Si je dis pas de bêtises, comptoir c'est ça. Des je pas allez, bêtises. On passe. Ah, oui, c'est le comptoir des sorciers. Hop, il est super beau, 3D. C'est en 3D. Je crois que c'est à l'envers, là. Oui, il faut le montrer de l'autre côté. Oh, pardon. Ah, oui, je suis bête. J'avais fait exprès de mettre la caméra dans le voilà. Sens. Voilà. Avec, Drago Bellatrix. En fait, quand tu regardes le puzzle, t'as l'impression que Rogue est en avant. C'est en effet lenticulaire, on dit effet 3D. Voilà. Tout est dit. Il y a aux éditions Jungle les Bloody Harry. Alors franchement, c'est Welcome pareil. Hein. Si vous connaissez pas les Bloody Harry, on t'avoue. Quoi. Bloody Harry, ils ont inondé les réseaux sociaux avec leur petite BD satirique sur le thème d'Harry Potter, évidemment. C'est du grand art. C'est Alexandre Harlem, le dessinateur, et le scénariste. Je crois qu'ils sont deux, je dis pas de bêtises. Non, c'est que Alexandre Harlem. Là, c'est que Alexandre Harlem. Oui, c'est sur une autre BD, oui, ils sont c'est deux. Voilà. C'est extrêmement drôle, c'est très pointu comme humour. Et alors, c'est pas à offrir aux plus jeunes. Oui, hein, c'est lors des achats. Non, il y a un âge dessus de restriction. Ouais, il y a un âge minimum. Ouais. Il y a des blagues. Je vais chercher, je vais vous dire. Parce que certains, c'est vraiment un peu gore. Déconseillé au moins de 27 ans. Bon. Non, je peux pas les lire alors. Non, je crois qu'il y avait. Non, mais je pense que ça doit être. C'est 10, 12. Ouais, voilà. En 10, 12. Même temps, Harry Potter il fait le twerk. Donc. Il y a des petites vannes un peu salaces. Ouais, c'est du lourd noir. Un peu poussé. Bah, mais je vous le conseille. C'est très, très drôle. Vraiment très, très drôle. Pour ceux qui aiment la BD et tout, c'est carrément. Sympa. Hein, du coup, c'est trois différents Bloody Harry. Ah oui, c'est trois tomes. C'est pas trois fois le même livre. On n'est pas si stupide quand même. Je sais pas, moi. Donc, non, vous allez gagner les trois. Je l'avais pas entendu venir. Je viens de balancer un truc. Et encore 10 points pour Donc, c'est du plutôt coup... pour Serpentard, mais... et du coup, on a également La Magie du Papier. Alors ça, moi, franchement, je surkiffe. C'est les nouveaux livres. Ouais, c'est accompagné également de cela. Je vais leur montrer également. C'est les nouveaux livres de chez Huggin Mullin sur le thème d'Harry Potter. Et là, c'est comment faire des objets papier. Ah, c'est pas forcément l'origami, là. Là, c'est l'origami. D'accord. Ici. Ça, c'est l'origami. Ah, ça, c'est de l'origami. Et en plus... Ça ressemble plutôt à des maquettes en papier. C'est beau. Ouais. Et du coup, alors, moi, j'en ai acheté un, celui-là, là, sur le thème de l'origami. Il est génial. On s'est bien amusé avec notre elfe de maison. Parce que... avec Nico, donc, quoi. Il t'explique... c'est ça. J'ai pas travaillé ici. Il t'explique comment faire les pliages, évidemment, dedans, t'as plusieurs objets. Il est très habile des mains. Tu peux faire le magico... Avec l'origami, bien sûr. Tu peux faire donc le Magic Obus, tu peux faire l'œil de Maugrey Folleuil, tu peux faire Croutard le rat, tu as les quatre maisons, donc la tête de Blaireau, la tête de Lion, la tête de Serre d'Aigle et la tête des Enfoirés. Tu as également la bague de Goat, par exemple. Oh là là, la bague. Ouais. Mais genre que j'ai pas la mettre la bague, tu crois? Non, je pense qu'elle est un peu... Un origami peut-être, ou être peut-être, grande? Peut-être. Ah, elle wow. est trop stylée. Ouais, la bague des gouttes en origami. J'ai jamais vu un origami. Mais, alors tu peux te demander, mais attends, mais comment ils ont fait pour faire les dessins? C'est ce que j'allais dire. Eh bien, en fait, ils sont là. Voilà, bague de gouttes. Il y a la texture imprimée, en fait, de la bague. Là, voilà. Tac. Regardez-moi ça. Tu as juste à découper. Non, elle est bien grande, la bague. Hein. Ah, c'est génial. Après, si tu veux t'entraîner avant de trater, tu fais une photocopie. Hein. Nous, c'est ce qu'on a fait. Tu fais une photocopie, tu fais une première fois le pliage. Et quand tu te sens chaud, tu le découpes. Si tu ne voles pas la gueule. Et après, tu le refais. Ah, c'est une version définitive. Huggin Mullin, au prix de 12,95€. On nous demande si c'est facile à faire, Mika. Alors, franchement, je te dis la vérité, non.
Voilà. Mais parce que parce que déjà c'est la première fois que je fais les origami, donc c'est ça demande un peu de temps. Mais tu peux commencer par les petits modèles. J'ai commencé par l'éclair d'Harry Potter, facile, ça m'a pris 5 minutes. Après j'ai voulu me tenter sur la Ford Anglia, mais je pense que je suis passé du CP à la terminale, tu vois. J'ai zappé des classes entre eux et du coup je fais oh non, c'est trop compliqué. Mais voilà, petit à petit, tu avances et voilà. Oui, on montre les cadeaux parce que là on va pas y arriver là. Il y a Lina qui a volé un cadeau quand même. Lina, elle a piqué un cadeau. C'est pas vrai. Elle a piqué la carte du maraudeur. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a une baguette, la baguette de Grégory Goyle. Et cette baguette n'est pas juste une seule baguette. C'est une baguette qui est dédicacée par l'acteur Josh Herman, l'acteur qui interprète donc Grégory Goyle. Un des méchants. Les méchants. Trop dans le film. On a la pop de Luna Lovegood, également une superbe pop pour le collectionneur. Bon, voilà, ils savent, hein, numéro 14. Bah. Luna. Elle est stylée. Elle a une bague en forme d'araignée, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Boucle d'oreille en fraise. Boucle d'oreille fraise, boucle d'oreille fraise. Exact. Fraise ou radis? Fraise, c'est radis, ça. C'est les radis, c'est pas des fraises. Non, c'est Charlotte aux fraises. C'est, la radis. Oui, c'est des radis, c'est radis. Je crois que c'est des radis. Elle aime bien les radis, oui, c'est pas ça. Des fraises. C'est des fraises. Non, c'est des radis. C'est des fraises. C'est des radis. C'est des fraises. Vous nous le dites? Moi, je veux dire. Non, c'est juste mal fait. Non, mais Funko Pop, il a juste mal fait. Ça, c'est un radis ou une fraise? Attendez, un radis. Je pense que c'est une fraise. Non, c'est des radis. C'est des radis. Ah, la raison, c'est une radis. Ah, bah oui. C'est des radis. Non, alors, c'est chelou parce qu'on dirait une framboise en forme de fraise avec la couleur des radis. Non, mais faut se décider, Funko. Je savais pas trop. C'est juste la définition Funko Pop, mais dans le film, il laissait des radis. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ça a la forme d'une fraise, la couleur d'une framboise et le dessin d'un radis. Ah oui, ça ressemble à une framboise. Mais c'est là. Non, mais là, c'est le graphisme qu'ils ont fait ça. Mais... Ils ont chié. C'est super beau. Ouais. C'est radis parce que la pointe est blanche du radis. Oh, ça, c'est juste 7 de pièces de Gringotts avec certificat d'authenticité. Alors, c'est pas celles qui ont servi sur le film, hein, vous enflammez pas quand même. mais certificat d'authenticité de chez Noble Collection, donc pièces de collection. Par ici, la monnaie. Magnifique set de pièces, vraiment magnifique. Moi, je surkiffe. Donc, ce sont les vrais. Hein. Tu crois que ça marche à l'auto-lavage, ça? Franchement, peut-être. Peut-être. Alors, attends, j'ai lavé ma voiture avec des pièces de Gringotts. Tout à l'heure, je dis, mais je dis pas qui offre quoi. Donc, ça, les pièces de Gringotts, c'est la plume de Poudlard qui vous l'offre directement. La pop, c'était au comptoir des sorciers. Bah oui, on a fait n'importe quoi, on est parti en live là. La figurine Nifleur de chez Noble Collection. Je le montre en gros plan ici. Alors, c'est chez qui ça? Lucky Geek. Lucky Geek. On connaît bien puisque elle est top cette boutique, il faut y aller. Oh, ça je veux, donne-moi. Non, c'est moi qui pars avec. Non, c'est moi. Ouais, non, c'est ça pèse 100 fois. Ils sont trop beaux. Oh, mon Dudu. Ils sont trop beaux. C'est trop joli. Non, ça c'est pour moi. C'est mes enfants. Lui, il part avec Dobby. Lui, il part avec Dobby. Moi, je pars avec la carte. Et toi, tu prends les Nifleurs et puis voilà. On a fait notre marché. Ce grand moment de solitude. Je me suis cru au bord d'une plage avec des mouettes. Je te jure. Regardez-moi ça, enfin, c'est pas trop mignon le petit cul. Ok. Allez, bonne soirée. On ne va pas relever. Regardez-moi ce petit cul. Très, très bien. Ah, non, c'est que. Quand même. Ah, que. Ah, mais les Italiennes, elles savent pas. Cul, que, elles savent pas faire la différence. C'est cette petite queue. Là. C'est trop mignon. Ah, c'est pas cul. Elle disait que. Oh mon dieu. Ah, il y a quelqu'un qui te dit Mika, on a perdu ton équipe. Ah, mais grave. Donc, de chez Mackin. Donc, c'est une société qui fait des grandeurs réelles de figurines en résine. Elle s'appelle Son Point. Je vous le dis là, ça doit bien faire 8-9 kilos. Peut-être même plus. Hein. Voilà. Oh, bah, c'est les biceps des Mika. C'est vrai que c'est super lourd. On dirait pas comme ça. Ah, mais c'est super lourd. Super lourd. Super non, mais c'est trop bien. C'est en deux pièces, en deux parties. Et ça, ouais, c'est. Je fais une Nifleur. Ça coûte un bras, hein, je vous le dis, je sais plus combien, mais ça coûte pas mal. Elles sont à 200. Presque 300, non? Oui, presque 300 euros. Le poilage, il est trop mignon, tout bien fait, les 10 ongles, les yeux, tout. C'est extrêmement détaillé. C'est magnifique. Il y a des taches de rousseur sur les becs, dites-vous.
Oui, ça aussi. Et magnifico. Il faut rester là. C'est l'Esta. Hop. Reste avec moi. Funko Pop, cette fois-ci encore de Albus Dumbledore et cette fois-ci Poudlard. Non, c'était pas le comptoir des sorciers, la Pop Luna. C'était une autre boutique. Non, c'est eux le comptoir. C'est eux le comptoir des sorciers pour cette pop, magnifique pop de Dumbledore. Attends, faut qu'on retrouve le nom du partenaire. Aurore, pose le nifleur, on te voit partir avec moi. Je suis encore là, ils sont là avec moi. Et les plumes et les plumettes qui sont pas ici parce qu'on les a perdues ici. Mais ouais, vas-y, bah donne-moi les autres, allez, allons-y. Vous pouvez chercher, c'est qui c'est, ah, quel partenaire. C'est qui nous a donné plus. Luna. Attends. Nos plumes et plumettes qui travaillent pour de vrai. Qui travaillent pour de vrai parce qu'ici, là, on rigole. C'est n'importe quoi. Je vous montre cette figurine et là, je vous parle de ça parce qu'il y a quand même une histoire derrière cette figurine. Ah oui. Hop, c'est la figurine de Hermione et vous pouvez le voir que la boîte est un petit peu poussiéreuse, mais je vous explique pourquoi. Mais vous allez voir. C'est la, donc la figurine d'Hermione qui a été donc créée par Hero Collector. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous offres ça ? Pourquoi il nous parle de ça ? La plume de Poudlard, parce que c'est nous qui vous l'offrons, celle-là. Eh bien, je vous explique pourquoi. C'est parce que la société Hero Collector a fait faillite. Et donc, du coup, ces figurines, tu ne pourras plus jamais les trouver. Donc, ça devient très, très rare. Et ça devient très cher. Hein ? Ça vient de qui, alors, cette figurine ? C'est la plume de Poudlard qui l'offre. Voilà ! C'est ça qu'on voulait dire. Eh oui, évidemment. Alors. Parce que nous, on a évidemment... des figurines qu'on avait à l'époque où on les avait présentées de Hero Collector, qu'on les avait achetées, hein. C'était pas un partenariat avec eux. On n'a pas réussi à avoir un partenariat avec eux. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Bon, bref, bon, maintenant ils ont fait faillite. On sait pourquoi. Mais non, c'est mignon leur figurine. Il fallait pas faire ça. T'aurais fait partenaire avec nous, t'aurais pas fait faillite. Moi, j'aime bien leurs figurines. Non, elles sont très très belles. Alors attention, elles avaient des défauts. On va pas se mentir. Il y a eu des défauts de fabrication sur la troisième série. Parce que moi, je les collectionne ces figurines-là et elles sont toutes arrivées pétées. À chaque fois, elles avaient des défauts, elles étaient cassées, etc. Bon, Hermione aussi, un peu comme Bandifig, malheureusement, il a pris cher. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont réussi à faire le visage d'Hermione. Oui, on va pas se mentir. Là, je viens de découvrir Bandifig. Ah non, mais là, ça va. Ça va. Non, mais Harry Potter, de Hermione. Il est beau. Mais c'est Hermione que c'est la pire. Il y en a qui font peur. Bandifig, il y en a qui font peur. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non. Bandifig, Harry Potter, c'est probablement la mieux réussie des Bandifig de Harry Potter. On va pas se mentir. Dobby aussi est pas mal. Dobby est pas mal aussi, ouais. Dumbledore, il est pas trop mal oui. aussi. Je reviens sur Luna Lovegood. Du coup, la pop Luna Lovegood nous a été offerte par Full Geek. Full Geek, merci Jazz, j'avais complètement raté le nom. Celle-ci. Bah, grâce à Aurore. Hein. Oui. C'est qui ? Oh, je sais plus. Attends, je triche, j'ai mon anti-sèche. C'est Lucky Geek ou je trouve. Ça, c'est Lucky Geek, ça, non ? Attends, c'est. Je sais plus. On a... C'est Lucky Geek aussi, je crois. Trop de. En fait, on a gâté tout le monde. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Donc, c'est de chez Noble Collection, les Bendifig. Ils font donc du Harry Potter, ils font également. Ils font de DC Comics. Oui. Ils font de. Les animaux fantastiques. Non, pardon, non. Non, c'est pas ça. C'est Lucky Geek. Lucky Geek. Je vous invite à aller regarder la boutique parce qu'elle est sympa. Voilà. Voilà, lucky-geek.com. Comme la boutique Full Geek, comme la boutique Le Comptoir des Sorciers. Toutes les boutiques sont cool. Toutes les boutiques sont belles. De toute façon, tout ce qu'on parle avec, c'est parce qu'ils sont. Tous nos partenaires sont magiques. Voilà. On va pas vous montrer tous les jeux de société qu'on a reçus de Toppy Game, mais il y en a beaucoup. Il y en a 6 ou 7, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, par exemple, on voit leur nouveauté, donc, qui est les épreuves des sorciers. Et là, le maître des sorts. Le maître des sorts est sorti un peu avant. Là, c'est le dernier, celui-là qui est sorti. C'est ça. Épreuves des sorciers. Et il y a également des quiz, 500 questions, etc. Donc, c'est vraiment top. C'est des super jeux donc, de société. Je vous les recommande, évidemment. Toppy Game. Vous pouvez les retrouver. Sur leur site PM ou à la FNAC ou partout d'ailleurs, c'est les jeux de société, on les trouve un peu partout, dans des boutiques, Harry Potter, bref, anyway. Il y a également ce livre de chez Huggy Muggy, alors ça c'est pour apprendre à dessiner en spirale. Oh. Mais c'est ultra satisfaisant à faire, mais c'est pas simple. Ah oui, mais c'est pas simple. Les yeux qui ça m'hypnotise. Et ça louche là. Ah ouais, ça m'hypnotise. Tu vois un peu le délire. En fait, ouais, ça rend bien. Mais rien de plus près. C'est en fait c'est des traits que tu grossis petit à petit, tu vois. Ça fait un dessin. Et ça fait un dessin. Et de loin, ça fait top, franchement. Ça donne l'image. Et même la caméra, il y a même la caméra bug. On dirait que c'est un CD. Ça me donne le tournis. Et c'est voilà, et donc du coup dedans il t'explique comment faire pour faire le visage portraits, de, voilà, ça, de Harry Potter chouette. Et tout. Ouais, c'est et voilà, t'as de quoi t'essayer dessus. Voilà. Ah ouais. C'est pour faire que le visage d'Harry Potter. Pour ceux qui aiment bien dessiner ou qui veulent s'y mettre, franchement, c'est chouette. Dans les coloris. Et c'est offert par qui ça? C'est par les éditions, du coup. Voilà.
Hugin et Menin. Oui. Non, Hugin et Menin. Hugin et Menin. Hugin et Menin. Donc là, on a le coloriage phosphorescent. Ah, là, vous l'avez jamais vu, celle-là. Ah, hein. Tu fais un dessin. Ça, c'est quelque chose. Ouais, et donc, du coup, tu vas colorier et dans la nuit. Ah, c'est ça. Dobby. Ça, c'est ouais. Dobby. Et là, star ça, c'est tu as des zones qui s'allument, en fait. Donc, tu fais un super coloriage bien stylé en jour et la nuit, tu l'éteins et bam, ça s'allume. Bam. Là. C'est hein. Stylé, hein. On va pas éteindre le studio sinon on va vous perdre. Mais, et tu vois, alors, c'est ça que j'avais vu, c'est que tu as des grands coloriages à faire. Panoramique. Tu vois, et là, c'est la bataille de Poudlard avec Voldemort qui lance le sortilège contre Harry Potter. Des belles scènes, quoi. Ah ouais, c'est ouais. C'est une des Quidditch. Ah ouais, non, il est mais super c'est là, tu as la tente, là, tu as le Magic Obus. Wow. Moi, je surkiffe. Il y a plein de détails, c'est ouf. Ah, mais grave. Ah, oui. Mais on n'a même pas envie de les colorier tellement ils sont beaux, les dessins, même comme ça. Bah, ça, c'est si un vous grand les coloriez corps. Pas, c'est la belle acquisition. Là, oui. Ça, c'est un grand, grand poster. Waouh. Ouais, je ne peux pas vous le déballer entièrement, mais c'est le château de Poudlard. Le château de Poudlard, un peu voile. Mais le doigt, c'est dans le sens. Attends, comme ça. Voilà. Prends-le dans le sens. Ah, ok. Ça. Bah oui, parce que regarde la taille du truc. Et là, ça va faire crack. Vous voyez ah, on va le casser. Yamagonaga. Ah non, c'est ça. Et là, je mets un doigt. La skyline. Attention, on va le casser. Voilà. Alors, on voit le château là, du coup. Le château en détail. Et je suis là. Et j'y vais avec. Elle est cachée. Et je suis là. Donc. Et là-bas. Donc, de quoi passer plusieurs heures ou jours à colorier. Ah oui, franchement, là, on s'occupe bien. Donc, voilà, ça, c'est des nouveaux livres qui viennent de sortir hein, aux éditions de chez Hugin et Menin. Franchement, c'est super chouette. Merci, l'hôtesse. Ah, merci, l'hôtesse. Tiens, bah, regarde, par exemple. Nico, il prend tous les cadeaux, là. Je vous montre un exemple sur le dessin de Voldemort que je vous montrais tout à l'heure. Donc, ça, c'est la scène du film. Donc, là, on voit le dessin, comment il est. Et quand tu éteins la lumière, ça fait ça. Ah, c'est trop chouette. C'est ouf, vraiment, c'est génial. C'est beau. Donc, ouais, bien trouvé. Non, franchement, des cadeaux. Alors, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Combien de cadeaux il nous reste? Parce que c'est vrai que sur 24, il y en a beaucoup là. Oui, ouais, non, mais on va s'arrêter là. Encore des éditions Hugin et Menin. Donc, ça, c'est le. Voilà, comment construire le monde magique d'Harry Potter. C'est un livre où on voit les détails architecturaux d'Harry Potter. Wow. Ça peut être vachement intéressant. Ça, c'est pour les passionnés de dessins architecturaux. Ou de jeux vidéo. C'est-à-dire que tu veux recréer une salle de Poudlard en jeu vidéo, t'as tous les plans, t'as tout ce qu'il faut là. Et puis je pense qu'il doit y avoir plein de trucs intéressants. Je ne l'ai pas ouvert, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur. Je le ferai prochainement, peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Parce que je pense que ça peut être vachement intéressant. Nicolas Lopez, invité. Oh, mais ça va être sympa. Nico Colelf. Sympa les partenariats et la plume car il y a du lourd. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, bah, oui. On est les meilleurs, je crois. Ça, c'est vanté. Hein. Allez, on va faire une petite pause. Et qu'est-ce qu'on va faire avec pendant la pause? On va vous annoncer les gagnants du jeu concours du calendrier de l'Avent. Moi, je gagne ça, c'est certain. Alors, moi, j'ai Dobby. Ça va être une vidéo où vous allez voir tous les jeux concours défilés et en dessous le nom de la gagnante ou du gagnant, de la gagnante ou du gagnant, pardon, et le réseau social sur lequel il avait participé. Sachant qu'il y avait du Twitter, il y avait du Facebook, de l'Instagram et du TikTok. Donc il y a 25 lots à gagner. Et du coup, vous avez les modalités. Hein, en fait, c'est simple. Hein, si vous voyez votre nom apparaître, vous nous contacterez par email. On fera les vérifications d'usage pour les modalités d'envoi. On fait du coup cette petite pause pendant qu'on vous annonce donc, tous les gagnants. On revient et on va jouer ensemble pour vous faire gagner d'autres lots. Voilà. Allez, à tout de suite avec la pub de Poudlard sur ce live spécial de Noël et bonne chance à tous pour ceux qui ont participé au jeu concours du calendrier de l'Avent de la plume de Poudlard. Bien sûr, restez en ligne parce que il y a encore des cadeaux à gagner même si vous n'avez pas gagné celui-là du calendrier de l'Avent. Restez jusqu'au bout, il y a les nouveaux. J'aurais pas mieux dit. Allez, bonne chance à tous.
Alors, est-ce que le Père Noël a été généreux avec vous au sein de la pile de Poudlard? J'espère. En tout cas, on voit qu'il y a des messages dans le chat. Ah, j'ai gagné. Ok, super. Bah, bravo à toi. J'ai perdu. Bravo. Ah, bah, il y en a qui ont perdu, évidemment, c'est le jeu. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez perdu que vous avez tout perdu, puisque nous allons jouer ensemble. Et d'ailleurs, dites-nous à quoi vous voulez jouer pour gagner ces lots qu'on va vous faire gagner. Donc, il y aura deux baguettes dédicacées, hein, ça que j'ai dit. Hein, deux baguettes dédicacées, j'avais dit de William Nadilam. Oui, deux baguettes dédicacées, cinq photos dédicacées de William Nadilam. Et on va rajouter en plus deux petits lots magiques. Surprise! Donc, dites-nous comment vous voulez les gagner. Qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Dites-nous. J'attends vos commentaires, vos suggestions. On a plein d'idées, mais on préférait vous laisser décider qu'est-ce que vous souhaitez pour jouer et remporter ces petits lots. Si je remettais une petite musique d'ambiance là. Bah oui, ça manque. C'est silencieux tout d'un coup. Vous êtes encore là, j'espère. En fait, ils sont en train de tous regarder s'ils ont tous gagné ou s'ils ont perdu. Répondre aux questions. Répondre à quelles questions? Répondre aux questions. Quel est mon personnage préféré dans Harry Potter? Un quiz. Ah, ça, c'est trop dur. On vous suit. Franchement, c'est compliqué. Venant de ta part, savoir quel est ton personnage préféré. Dolores Ombrage. Évidemment. Moi, j'ai l'idée, je vais aller chercher le jeu. Il va chercher un jeu. Mais moi, je ne le sais pas. Alors... Dobby est parti malheureusement dans la main d'un ou d'une autre. Il y a des personnes qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas gagné. Oui. Mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un de faire un jeu concours. On fait tout le temps des jeux concours. Bah oui. Une question pour un Potterhead. Secret Potterhead. Secret Potter. Secret Potter. Moi je fais. Alors c'est quoi le jeu? En fait, ils vérifient, mais non, ils se sont rendus compte. Il n'y a pas une plume qui a une idée, par exemple? Ils sont tous partis se coucher. Non, Lolan, il est là, je le vois. On a disparu du live. Ah oui. Effectivement. Ouais, je te l'ai dit, ils font exprès. C'est ce qui s'appelle être coupé au montage. On a vu les bizarreries. Sans les enfants. Ah, ça y est, les enfants. Vous êtes revenus. Ah non, on serait venus. Oh mince, ils sont encore là. Ah, enfin, vous êtes d'accord, là. D'accord, on s'en va. Au revoir. Alors, bisous. Vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous la avez... prochaine fois, on va mettre. On va proposer des jeux. Vous avez une idée? On va faire un bêtisier. Hein. On vous entend. Vous avez des idées que nous. On va faire un bêtisier de la plume. N'est-ce pas, Adrien? On a du dossier. Entre les plumes et les plumettes qui ne savent pas qu'ils sont filmés et qui font des choses cheloues. Ils sont tous filmés. J'arrive. Ça, la troisième. Adé, voilà. T'es fichée maintenant, je suis désolée. On a du dossier. Moi, j'ai Adrien, il faisait de la trompette. Non, il s'ambiançait sur la musique. Elle était très bien, cette musique. Tu sais que tu fais une petite danse et tu crois pas que quelqu'un te regarde, mais en fait, il te regarde. C'est nous. Eh ben, Adrien, on te voit tout le temps. On t'a vu, Adrien. On t'a vu danser. Ils nous disent un tirage entre parmi les jeux. Oui, Mika, tu trouves pas le jeu? Mais il faut qu'on trouve un moyen de départager. Ah, Luna, Floudie, elle nous fait une danse. Et là, il prend une autre tournure. Il y a un début de Manticore, là, j'aime bien. Ah, Nico, c'est à toi. On fait les crabes des feux. Là, c'est brésilien. En tout cas, Nolan, il va me juger, il va me dire que je la fais très mal. Nolan, il fait que moi, j'ai tout est dans le déhanché en fait. Non, mais c'est décidé, tu l'as fait très mal. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ok, vas-y, attends. C'est qui l'a fait mieux ici? C'est qui l'a fait mieux? Mais c'est moi qui l'a fait mieux. Non. Oh là, attention. Attention, attention. Tu vas te mettre derrière, derrière. Une petite danse. Attention. Attention. Boum. Vas-y, Attends, allez, c'est parti. Attends, moi aussi. Fais tous la danse. T'as plus pas en live. Allez, c'est parti. Attends. Moi, je suis un bébé. Attends, on fait comment, là? Ouais, comme ça. Vas-y, et c'est parti. Il nous fait... Et dire Edmund, il peut aller se recoucher. Non, boum. Ah, c'est comme ça, C'est ça, non? Voilà. Et regardez-moi la robe. C'est une belle robe d'anniversaire, ça. C'est belle, hein? Elle est belle, hein? Elle est canon. Bah, c'est lui qui me l'a acheté, là. Oh. Je l'ai pas acheté. Il l'a fait. Elle est à qui? Il l'a acheté, non, il l'a volé. Alors, si vous suivez la pub de Poudlard, vous avez forcément déjà vu ce jeu, qui est donc Devine qui je suis. C'est Mika. Ça, j'aime bien. C'est des cartes où il y a des personnages dessus. On va en tirer au sort. Et à vous de deviner qui est-ce que l'on a. Et on répondra à vos questions sur le chat par oui ou par non seulement. Donc, on va faire tourner les cartes chacun notre tour. Hop, et on va prendre donc un personnage. Moi, j'en choisir un. J'aime trop ce jeu. On va essayer de prendre des personnages un peu complexes, hein, quand même. Harry Potter.
Dumbledore. Voldemort. Voilà, j'en ai choisi un, c'est le mien. Ouais. Non. Ouais, vas-y, choisis. En vrai, c'est un peu plus compliqué quand même. Bah, y a pas plus compliqué. Vas-y, j'ai fait. Tiens, tu commences par celui-là que moi je suis. Et Mickey, à chaque fois, il trouve des personnages et non. Alors, tu verras qu'il n'y a pas très compliqué. Hein. Bah, ça dépend. En effet. Mais j'ai une cicatrice. Harry Potter, lol. Oui, effectivement, Rebecca. Ouais, surtout que tu as choisi le jeu, mais c'est pas le bon. Enfin... Ah. C'était pas celui-là. Hein. Ouais. Il est... Mais je sais pas où il est l'autre. C'est pas similaire que tu voulais. Ouais. Tu veux que je cherche? Mais il était par là. Bah, mais déjà, tu fais deviner celui-là et après oui. celui-là. Ah, oh, okay. Mais tu l'avais mis où? Non, bah, c'est un jeu sur Harry Potter. Je crois qu'il était dans le studio, mais je sais pas où. Peut-être qu'il est dans la bibliothèque. Il est dans la bibliothèque. Alors, je vais aller voir. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas révisé, donc du coup, il ne peut pas jouer. Bah, il faut réviser, sinon, pas d'antisèche. Sinon, Mika, il n'y a même pas Vous besoin avez de une la minute carte. Pour regarder 8 films en accéléré. Il n'y a pas besoin de la carte. Mika, il n'y a pas besoin de la carte. C'est nous qui on dit, enfin, qui on écrit dans un papier le personnage et après on le montre à la fin. Il y a une porte qui s'ouvre derrière nous. Ah, Mika. C'est de la magie. Ah, Mika a disparu. En fait, bon, il est parti. Je crois qu'il est parti dans la. On essaye de trouver le jeu où il y a les cartes. Mais non, on l'enferme dans la bibliothèque. Les cartes des personnages. Méchant. Vous avez vu la bibliothèque comment? Et vous devez deviner c'est lequel. Non, mais t'es méchant toi. Enferme Nico dans la. Toi, on va t'enfermer dedans. Mais c'est pour vous les. Enfermez-moi avec Dobby. Toi, Nico, si tu continues comme ça, tu vas être puni en tant que avec Dobby. Avec Dobby. Non, sans Dobby, sans Dobby. Tu gardes bien mon coffre-fort, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, il a trouvé. Il a trouvé. Ça y est, il a retrouvé. Ça y est. C'était on rangé va dans pouvoir le... jouer. C'est dans le placard sous l'escalier, c'était rangé. C'est la chambre d'Harry Potter. Bah, c'est ça. En fait, il y a Harry qui est. C'est pas, c'était pas celui-là, non? C'était pas le même, celui-là. Si, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ah. Et quand, en fait, Mika, quand je me prends la tête avec lui, bah, c'est là qu'il va terminer le soir. Encore dans le placard elle ce soir, c'est compris, elle c'est ça. C'est pas le canapé, c'est le placard. Exactement. Chez nous, c'est comme ça. Et un coup de fouet aussi. Voilà. Mais c'est tout. Un coup de fouet et au placard, et hop. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là. Ah, ça y est. Ah, celui-là est mieux. Bon, allez. Tiens, je te laisse ranger celui-là si tu veux bien. Voilà. Hop. Bah, c'est bon, c'est rangé. Nickel. C'est parfait. Non, mais c'est très pratique, des boîtes comme ça pour jouer, ouais. Oui. Bah tiens, on va en parler, hein. Bah, c'est Paladin qui fait ça. Ouais, mais ça, on avait déjà parlé la dernière fois qu'on avait joué avec. Hein. Oh bah, vas-y, hein, je laisse la bibliothèque ouverte ou pas. C'est normal, il a pas les doigts de thé pour répondre. Okay. C'est quoi que tu fais? Bah j'ai choisi. Ah bah voilà, Lina fait des bêtises. Attends, je pousse mon. Non mais moi il y a mon verre, il est rempli. Y a aucune bêtise, j'ai dit. Ouais, presque. Louis, c'était la dernière fois. Oui, on l'a fait. La base. Bon, celui-là. Louis aussi. Mais en fait, oh Louis. Ah, lui, oui, on peut faire, ouais. On peut le faire, Louis. Bah, ah oui. Oui. On l'a pas montré. Non, on n'a pas vu. Hein? Bah là, je t'en ai choisi quelques-unes. D'accord, moi j'en ai choisi un aussi en plus. Oh, pourquoi j'en ai deux? Écoute. Ah bah. Et du coup, vous allez. On va faire quoi? Attends, les questions, les cartes que t'avais choisies. C'est ça. Je l'ai déjà. Ah, bah c'est alors. C'est les mêmes. Bah, vas-y, il y en a plusieurs. Fini. Ok. Ah, lui, c'est trop facile. Mais non. Ok. Il y a combien de cadeaux? Il y a deux baguettes, 5 dédicaces, plus de l'eau. Ah. Donc, il en manque combien? Parce que moi, la mathématique a. Mais il y en a un des lots, on va le faire gagner assez facilement. Je vais demander une date. Ça. Bon, mec, il met la bonne date. Oh, ça c'est bon. Ouais, mais après, c'est presque les mêmes, hein, donc on n'a pas beaucoup de choix. Bon. Moi, j'en ai encore deux. Non, Louis, c'était la dernière fois. Ah, on cherche pour on que ça cherche soit... une chose différente. Okay. Pas, oui, pas trop facile. Ouais, parce que là. Aurore, elle protège les nifleurs avec mais ses mains. Oui, c'est mais incroyable. C'est mes bébés à moi. Je sais pas qui les a gagnés, mais je pense qu'il va pas les recevoir. Hein. Ouais, ou il y aura Aurore dans le colis avec. Ça sera très très lourd. Aurore et les nifleurs. Tiens, je te rends ça. Je suis pas sûre que ça soit un bon cadeau. C'est ça que vous voulez? Allez, c'est fait. Mais ils sont trop alors, beaux. Je vous rappelle les règles du jeu. Vous allez pouvoir mettre en commentaire des questions. On vous répond que par oui ou par non. Le premier que nous on lit. Hein. C'est pas forcément. C'est que non, le premier que nous on lit. Quoi. Ben non, mais on a tous les chats en même temps. Donc. Ah, voilà. C'est ça. On voit tout. On voit tous les chats sur une seule et même fenêtre. Donc le premier qui
qu'on voit qui a mis le bon nom, et ben du coup, il aura gagné. Alors oui, il y aura du décalage dans les commentaires, évidemment. Voilà. C'est irrévocable. Il n'y a pas que la rapidité, il y a aussi le sort. Alors, on va commencer avec celui-là. La chance. D'accord. Très bien. Okay. Et moi, j'ai pas. Non, bah toi, t'as pas le droit. Non, toi, tu joues pas. Ok. Toi, t'es puni. Tu vas avec Dobby. Ok, ça me va. Maxime, oui, c'est un garçon. Ah oui, c'est un garçon. C'est un garçon. Donc oui, il y aura un décalage entre le moment où vous avez posé vos questions et le moment où on répond, c'est sûr. Ce n'est pas une fille. Est-ce que c'est un sorcier ? Oui. Bah, oui. Non, il n'y a pas les cheveux roux. Non, non. J'ai pas vu. T'es la meilleure. T'es la meilleure, Sévère. C'est un gentil, oui, un homme. Oh, ça va vite, ça va très vite. C'est un professeur. C'est un professeur, Goyle, oui. Goyle, non. C'est un méchant. Un professeur. Drago, non. Non. Est-il méchant? Non. Non. Il est pas méchant. Professeur de Poudlard, oui. Oui. Non, ce n'est pas Albus Dumbledore. Non, album. Lupin, stop. Qui a dit Lupin? Ouais. Hop. C'est, je l'ai plus. Mooney Lestrange. Mooney Lestrange. Mooney Lestrange. Tu as trouvé donc professeur Lupin l'étrange. Et tu remportes la première baguette dédicacée de Youssouf Kiama. On fera gagner la prochaine fois une photo dédicacée de Youssouf Kiama. Mooney l'étrange. Et du coup, il peut gagner qu'une fois. Ah oui, par contre, dans la même soirée. Voilà. Donc Mooney l'étrange. Donc Mooney, tu peux participer, mais si tu gagnes, on va refaire un jeu. Alors attention, c'est parti pour le prochain. Top départ. Attention, c'est parti. J'espère qu'on aura le répliqué gagnant. Et bah oui, en fait, tu as le replay. Alors déjà, Frédéric, oui. Tu pourras regarder le replay sans problème. Il y aura tranquillement. Tu vas pouvoir diffuser la vidéo et tu verras le moment où on a annoncé les jeux, enfin les gagnants. Et tout stop. Est-ce que c'est un homme? Oui. Où Nicole fait sa danse aussi. Un sorcier? Oui. Team Voldemort? Non. Pardon. Ce n'est pas une fille. Ce n'est pas donc une sorcière. J'adore ce sorcier. Gryffondor, non, je crois pas. Gryffondor. Ce n'est pas Albus, c'est pas Rogue, c'est pas Hagrid. Ordre du Phénix, oui. Oui, Ordre du Phénix. Professeur, non. Non, c'est pas un prof. Monsieur Weasley, non. Flitwick, non. Sirius, ah, ça y est. Corinne Gonzalez, c'est ça? Non, ça va vite. Magalala. Non. Corinne Magalala. Mais non, on bug sur toi. Corinne Magalala. Ah oui, voilà, c'est ça. Magalaka, pardon. Oui, mais ça avait été trop vite. Attends, Corinne Miss Galaska. On a eu du mal avec toi. Corinne Miss Galaska, tu as trouvé Sirius Black et tu remportes une photo dédicacée donc de Youssouf Kiama. Alors tous les gagnants nous envoient un email à concours. C'est pas moi. Tous les gagnants nous envoient un mail à concours@laplumedepoudlard.com. Comme on est à l'international, donc c'est comme, of course. Et ensuite, on vous fera évidemment des échanges pour vous envoyer vos lots. Alors, je vous préviens, vous ne les aurez pas tout de suite, les baguettes et les photos, le temps que ça fasse aller-retour aux États-Unis. Hein. C'est clair. Vous êtes prêts pour le prochain? Je montre à l'équipe. Moi, j'ai vu. Ah, ok. C'est vu. D'accord. C'est vu. Moi, je sais. Attends, je le montre à ceux qui sont en ligne, nos potes. Non. Fermez les yeux. C'est ça. Ah oui, vous... Bah oui, ils voient pas. Ils peuvent pas jouer. J'avoue. Mais vous pouvez parler, hein, vous savez. J'allais dire, bah oui. Vous jouer, on peut pas trop. Hein. C'est une fille. Alors, c'est parti. Allez, c'est une femme, oui. Femme. Oui, non, on répond pas par adulte ou enfant. On répond que par oui ou non. Élève, non. Professeur, oui. Professeur, femme, oui. Mange-mort, non. Non. Oula, ça va trop vite. Minerva, non. Chocho, non. Ombrage, non. Demandez-nous la maison. Luna, non. Non, ben non, on répond que par oui ou non. Bah oui, Gryffondor, non. McGonagall, non. Dolores, Bellatrix, non. Dolores, non. Bella, non. Luna, non. McGonagall, demandez-nous sa maison. Adulte, oui. Professeur. Pomme fraîche, non. Trilonnet. Trilonnet. On l'a vu. Adrien Gauthier. Oh là là. Non. Vas-y, abusé. Il n'a pas d'un chiffre. Alors, ça, c'est de la triche. Il n'a pas triché, Pives. Celle-là, bon, on l'a fait gagner, mais c'est un membre de l'équipe qui a participé, on l'a reconnu son nom. Petit voyou. Bon, ce n'est qu'une photo dédicacée, tu me diras, mais ça bon. Va, allez, c'est pas grave. Allez, cadeau, c'est pour toi. Ah là là. Bien joué. Alors, les membres de la plume, calmez-vous quand même. Participez pas. Laissez faire aux abonnés quand même.
Cette fois-ci, on va faire gagner une deuxième baguette dédicacée de Youssouf Kama, dédicacée donc par William Nadilam, qui a été donc avec nous pendant ce live de la Plume de Poudlard. Et du coup, je vous donne le top chrono. Top, c'est parti. Bah, nous, on n'a pas vu Mika. Oh, pardon. Ouais. Oh, ok. Ah, oh, là là. Moi, je trouve qu'il est très bien dessiné, ce personnage. Ah oui, oui, ça, le dessin vrai. Est très bien. Ah ouais, pas mais très... ça... Voilà, voilà. Alors, Trélonet, non, bah, Chourav, non. Non. Bah, demandez déjà si c'est un homme ou femme, ah, oui. Déjà, non. Chourav, non, Trélonet, non. Non, mais je pense qu'ils sont encore sur le personnage non. d'avant. Non, non, non. C'est non, le chat, non. Il a bugué, il est encore sur les... Il a été trouvé, le précédent. Ah, trop tard. Oui, ça y est, c'est fini, on est passé à notre personnage. Alors, oui, oui. On va attendre, ah, on va attendre. Il y avait quelqu'un qui l'avait mis Sibylle. Ouais, mais il faut voir si c'était avant ou après. C'est ça, faut regarder. Je regarderai. En tout cas, nous, on voit dans la lecture. Après, on vérifiera. Comme je l'ai dit, c'est le premier qu'on arrive à détecter. Hein. Après, non, c'est délicat. Hein. Vous êtes des milliers là, quoi, si à commenter. Si vous avez trouvé Sirius avant, normalement. Chut. Non, mais je les aide. Chut. Non, on n'aide pas. On n'aide pas. Non, on n'aide pas. Déjà, vous dites homme, femme, prof. Alors, prof, non. Un homme, oui. Élève. Non. Homme, non. Oui. Serpentard, non. Albelfort, non. Dobby, non. Drago, non. Non. Dobby, non. Hagrid, Lucius, non. Non. Ginny, non. Un fantôme, non. Drago, non. Non. Croutard, non. Prof, non. Non, non. Neville, non. Drago, non. Ruzard, non. Élève, non. Il a des coupures, oui. Il a des coupures, oui. Qui, non. Dobby, non. Homme, oui. Mais... Ruzard, non. Armel Dumbledore, non. Oui. Ah, Armel Dumbledore ? Oui, qui ? Ah, oui, 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 oui. Oh, oui, bordel ! La première armée. Armel Dumbledore, oui. Mais là aussi, t'es mort. Ah bah, on a dit tout dit là. Drago, non. Baron Sanglant, non. Garçon, oui. Professeur, non. Ministère de la Magie, non. Trélonet, non. C'est un homme. Poudlard, non. Homme. C'est un homme. Un humain, Dubois, oui. Non. Homme. Un humain, homme, oui. Oui. Professeur, non. Oui. Élève, humain, non. Il n'était pas professeur. Oh, on m'embrouille. Professeur, non. Non, professeur, non. Lucius, non. Béatrix, non. C'est un homme. Hôpital 5 Mangoustes, non. Non. RAB, non. Non. Ah la vache, c'est James, 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 non. Non, c'est pas James. Non, 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 non. Croutard non plus. Non. Mais les abonnés ont vu ton écran. Ça y est, je l'ai vu, je l'ai vu. Camélia. Camélia. Camélia, hop. Camélia Boussa. Désolé pour celui qui a mis Croutard. Boussa. En plus, c'est ça qui s'est plaint. On me disait, ah, j'ai dit Prams. Putain, pas de bol. Camélia Boussa. T'aurais pu gagner, mais Croutard, c'est pas ça. C'est Croutard, c'est l'autre. C'est que de vert. C'est le personnage que de vert. C'était lui qu'on cherchait. Ouais, c'était lui qu'on cherchait. Oui. Donc, du coup, pareil, tu nous envoies un petit mail. C'est toi qui notes les noms. J'ai le téléphone. Camélia Boussa, bravo à toi. Tu gagnes une baguette dédicacée de William Nadilam. Youssouf Kama, enfin, Youssouf Kama, dédicacé par William Nadilam. Allez, on va vous faire gagner. Encore une photo dédicacée et après de l'eau. De l'eau ? De l'eau. Ah non, pas de l'eau. Oui, de l'eau, une bouteille d'eau. De l'eau. Une bouteille d'eau. On fait gagner une bouteille d'eau. C'est quoi de l'eau ? Attendez, je fais une petite pause le temps que vos commentaires s'arrêtent là. De l'eau de source. C'est l'eau de source de la plume. Non, c'est de l'eau. Vous êtes trop nombreux. Des lots et des cadeaux. Des cadeaux, des lots. La tablette, elle est en train de fumer quoi. Michael, il me laisse dans la galère. Elle a pas compris des lots. J'ai déjà compris. Il me l'a fait trois fois des lots. Deux. Des lots. Deux. L'eau. Ouais, c'est pas de l'eau, c'est des lots. Voilà. Il y aura plein de l'eau. D'où est la cristalline de l'évian. Il y a qui William qui peut me comprendre. D'où est regalo. Le début, les difficultés de la langue quand en français et aux États-Unis, moi c'est pareil. Une italienne en France, c'est allô. Exactement la même galère. Allô. D'où est regalo. D'où est regali. Regali, déjà. Oui. Déjà. Parle italien comme moi, je parle français, et après on parle. Allez, on va partir sur celui-ci. Ok. Ok. Oh, pas mal. Yes. Ok. Attends, allez. On veut le bon nom, hein. Attention. Hein. Il n'y a pas de croutard, pas de pâte molle et tout ça. Hein. Pas de d'accord là. Attention, top chrono. C'est parti. Alors, mais j'ai encore les commentaires de la. On attend que vos messages y passent. Arrêtez d'envoyer. Mais vous savez combien de messages ils défilent sur le chat. C'est horrible. Vous allez halluciner. S'il y avait un compteur de messages là, on aurait explosé quoi. Il y a un message par seconde. Mais plus que ça. Et si on était sur TikTok là, t'imagines même pas. Ça va trop. Attendez, on attend que ça ralentisse un petit peu. En attendant, c'est fini. Le jeu précédent était terminé. On l'a trouvé. C'était petit gros. C'est toutes les secondes, on a un message. En fait, qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits traits pour dire ok, là c'est le prochain jeu. Oui, je pense. Parce que sinon ça va être le bordel. Ouais, parce que là ça continue, ça défile et tout. Arrêtez-vous, stop.
Arrêtez. Je vais y arriver ou pas? Stop. Là, on fait tac, une pause. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. On attend. Allez, go. J'en peux pas plus sur valider. Le chat, il est en PS. La tablette, elle en peut plus. Je te jure, j'arrive elle plus est à valider. Abonnez-vous tablette. Bon, bah, c'est mort. Ah, ça y est, si, c'est parti. Ouais, mais on voit que la moitié de la. Mais de ça la continue, hein. Oh là là. Oh là là, l'enfer. Mais arrêtez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Ouais, la tablette est en PLS total. Ah, complètement, en fait. Vous nous avez. Ah, Papa Longue du Bas. C'est un truc c'est de qui, ouf. Papa Longue du Bas. Ils avaient dû dire le père. Ouais, mais Caroline, mais en fait, nous, on voit les commentaires dans l'ordre qu'on les voit. Donc, voilà. Désolé. Après, sinon, s'il faut, je vérifie. On va aller vérifier. C'est pas nouveau. Grave, c'est pas un souci. Comme je vous dis, nous, on le voit quand on le voit. Ah, c'est bon, c'est passé sur les nouveaux commentaires. Là, ils sont encore sur la blague de l'eau, là. Attends, on est sur les nouveaux commentaires. En fait, on est en décalé. Ok, alors, c'est parti. Ouais, il y a un gros décalage. Alors, est-ce que c'est un professeur? Non. 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 Un homme? Oui. Oui. Un gentil? Non. Diggory? Non. James Potter? Non. Serpentard? Oui. Femme? Non. Lucius? Non. Sirius? Non. James? Non. Un élève? Quirrell? Oui. Non. Un élève? Oui. Un élève? Oui. Un élève? Oui. James? Non. Ginny? Non. Non. Serdaigle? Non. C'est un garçon. Remus? Non. Luna? Non. Lily? Non. C'est un Serpentard? Oui. Oui. Cornedru, James, non. Oh, non. Oh bordel, la tablette a bugué. On peut plus. Là là là. Que quelqu'un trouve. Sirius, bah non. Je crois que c'est non. La première fois qu'il y a autant de monde dans le chat. Un professeur, non. Ouais. Un élève, oui. James Potter, non. Arrêtez d'écrire une minute, laissez-les respirer. Mais grave, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit un truc, c'est pas totalement faux. Mais non. On veut le nom. C'est non. Un homme, c'est oui. Non. Xélophilus, non. C'est attendez un peu, oui, s'il vous plaît. Mange-mort, non. Goyle, non. Drago, non. Régulus, oh non. Initus, non. Mange-mort, non. C'est pas Drago. Non, c'est pas un mange-mort. Hein. Non. Malfoy, non. Sirius, Régulus, Drago. Le nom en entier. Goyle. On veut le nom. Armée en Dumbledore, le nom non. En entier. Maugret, en entier, non. Neville, non. Mathias Dos Santos, on veut le nom. Horace Slughorn, non. Goyle, non. Putain, pardon. 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 Ah, c'est bon, quelqu'un l'a dit. Ah, mais toi, tu vois sur le chat, mais moi, je vois pas de là. Lord Voldemort, non. Ah, mais je les vois grave en décalage. Je les vois grave en décalage. Lina, si tu le trouves, dis le nom. Alors, c'est Silo Lupin. Silo Lupin. Alors nous, on va voir quand est-ce qu'il arrive sur la tablette parce qu'il y a tellement de commentaires que la tablette n'arrive plus à suivre. Et non, PLS. Ouais. Ah, quelqu'un qui avait écrit Géduzor, c'est pas celui-là, on est d'accord. Non. La tablette est carrément écran blanc. Allez, c'est bon. Allez, on a plus rien. On a plus vos. Bravo. En tout cas, c'était Tom Geduzor. Et on a le nom de la personne qui est. On va vous confirmer. Tom Riddle. Tom Riddle ou Tom Geduzor. Voilà. Et c'est qui l'avait dit? C'était Silo Lupin. Silo Lupin sur YouTube, c'est ça? Oui, c'est sur YouTube. C'est sur le chat YouTube. Eh ben bravo à toi, tu remportes donc une photo dédicacée donc de William Nadilam. Envoie-nous un mail à concours@laplumepoudlard.com. Et cette fois-ci, Lina, je te demandais s'il te plaît de donner ça un des deux, n'importe lequel. On va prendre le puzzle. Ouais. Voilà. On l'a en double, donc on vous offre un deuxième puzzle. De Rogue, donc en version 3D, lenticulaire, comme l'a si bien dit Ja. Et donc cette fois-ci, on ne va pas faire le jeu des personnages, à moins que vous préférez voler les personnages, non? Non. Bah non, on va changer. Non, je vais vous demander un truc tout simple. Et surtout, c'est le temps aussi. Oui, le timing, oui. Allez. Je vais vous demander juste une date toute simple. Date, le premier qui date. Met la bonne date. Wow! Eh ben, il gagne. Il gagne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qui va. Au jour près, quand est-ce qu'a été créée la plume de Poudlard? Moi, je sais. Ah, c'est dur, ça. Mais non. C'est pas les plumes et plumettes qui répondront. C'est que les abonnés. Ah, ouais. Parce que moi, je n'aurais pas trouvé. 31 juillet. En 1980, je n'étais même pas née. 1980, moi non plus. 31 juillet, non. Ah non, mais je sais pourquoi. J'ai dit une date et j'ai fait une pause. Donc, elle a mis, OK, date de J.K. Rowling. Oh là. Il y a 4 ans, oui. Mais quand il y a 4 ans? C'est nous. En fait, il y a 4 ans. La plume de Poudlard. On va voir si vous allez. Êtes fidèles. Le 30 décembre, non. C'est pas le 30 décembre 2018. Non. C'est trop. Mais tu n'es pas loin. Pas loin. C'était en décembre. Le 25 décembre? Non. Le 3 décembre 2018? Non. Non, le 28 décembre? Non. On peut dire plus ou moins?
Au jour près. Là, on voit le 30 décembre 2018. Alors, sachez que c'est bien en 2018. C'est bien en décembre. Mais vous n'avez pas encore donné le jour. Le 21, le 29, le 24, le 13. Oh la vache. Il y a du 17, 24, 28. Tu l'as vu? T'es sûr que c'est ça? Je crois, hein. Non. Bon, déjà, Aurore et Mika ne sont pas d'accord entre eux. Je sais, c'est quand? Nous-mêmes, on ne connaît pas la réponse, en fait. Parce que je ne me la rappelle pas, moi. C'est bon, on a la réponse. Je veux gagner Maya, jour près. Ça y est, je l'ai. Maël Oxo Dutilly, qui a mis le 18 décembre 2018. Bravo à toi, Maël Oxo Dutilly. Et ben, tu remportes ce puzzle 3D lenticulaire de Severus Rogue. Et derrière, il y a Drago Malfoy. Il y a également Bellatrix Lestrange et Fenrir Greyback. Qui, malheureusement, l'acteur est décédé. Et qu'il était super, super. Il y a incroyable. Deux acteurs décédés d'ailleurs sur ce puzzle. Porte la poisse, ce puzzle. Sacré sportif, c'était un sacré sportif. Oui. L'acteur. Bah, il est mort en faisant un dans le désert. Ah oui, c'est ça. Ouais. En faisant un challenge. Une traversée dans le désert. Voilà, bah, une traversée un qui désert n'a jamais terminé. Désolé. Mais du coup, attends. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, le 18 décembre 2018? On a créé la plume de Poudlard. Non, mais je sais. Mais on s'était dit quoi? Vas-y, on va faire une vidéo, vas-y, on va faire un concept. Le 18 décembre 2018, j'ai créé la page Facebook de la plume de Poudlard suite à une énorme déception constatée sur Internet en général. On en avait discuté. Sur l'actualité du Wizarding World. C'est dommage. Et on avait eu cette discussion quelques jours plus tôt. Je disais, putain, mais franchement, il y a... Pardon. Je me suis dit, il n'y a pas de page qui m'intéresse réellement dans le monde d'Harry Potter, alors que je pense qu'il y a plein de choses à dire et plein de choses à faire et des acteurs à interviewer et des événements à faire et des jeux concours et machin, et je trouvais pas de page qui vraiment me plaisait. J'en ai fait part à John en disant, mais attends, moi je suis fan d'Harry Potter, je trouve rien qui me correspond, rien dans lequel je me retrouve ou je me sens épanoui ou la communauté est bienveillante. Je trouvais des pages, mais la communauté était ultra toxique, et ça s'insultait de tous les sens, ceux qui tenaient les pages, ils étaient hautains, franchement je me disais non, pas du tout. Donc du coup on a créé la plume Poudlard comme ça, en disant, bah écoute, on va faire une ou deux vidéos, on va voir comment ça donne. Et en quelques mois, on a eu plus de 5000 abonnés. Ça a été très très vite. Donc il y en a qui étaient là depuis le début, hein, tout au début de la plume. Bah, elle. Voilà. Moi, lui aussi. Oui. Lui aussi. Le premier abonné. C'est genre les vétérans. On est les vieux. Mais surtout, au début, enfin, toi, je vois, il y a 3000, 4000. Ouais, c'est quoi cette petite page? Mais c'est allez, ça, vas-y, c'est je m'abonne. Mais moi, on m'avait envoyé le jeu concours comme ça en disant, tiens, participe, toi, t'es fan d'Harry Potter. Exactement, et j'étais, tiens, c'est intéressant. Est-ce que c'était la baguette d'Albus Dumbledore jeune? C'était pas Albus Dumbledore. Non, c'était la baguette de Nicolas Flamel. Ah, alors c'était le deuxième jeu concours qu'on avait fait. Moi je crois que c'était ça. Faut savoir qu'à l'époque, les jeux concours, on achetait tous les loups qu'on faisait gagner. Donc c'était oui, c'est notre vrai. Poche. Hein. Nous on achetait des autres poches. Elle me maudissait. Ah, oh, mais tu te rends compte l'argent que tu mets dedans. Nanana. Je dis, mais t'inquiète pas, aujourd'hui on les paye, mais demain les marques elles nous en enverront. Bon, bah, aujourd'hui c'est vrai. Donc voilà. Bon, on finit toujours par payer quand même. Mais bon. Tic-tac, c'est le temps pour nous. Il y a l'agent de William qui vient de me dire que c'est le temps est expiré. On va aller dormir. Vous êtes célèbre, hein, mais il y a un temps pour tout. Célèbre. J'irai pas jusque-là quand même. Ah, désolé pour tous les décalages, bah si oui. Vous avez l'impression, mais du coup, malheureusement, c'est pas notre faute. On a lu les commentaires dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. Après, peut-être l'avez-vous dit avant, mais sachez qu'entre le temps où vous mettez un commentaire, le temps où nous on le reçoit, il y a un énorme décalage. Mais ce qui est normal, en fait, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement, parce que je sais qu'il est pressé. Il y a un décalage de sécurité. Par exemple, si, je sais pas, y a, pendant un live, je sais pas, il y a quelqu'un qui meurt. Si quelqu'un de nous a un malaise, un accident, ou quoi, je peux couper le live, et ce qui fait que vous ne le verrez pas. C'est une marge de sécurité que tous les streamers ils ont, c'est obligatoire. Même dans les chaînes télévisées, téléjournaux. Quand ils disent qu'ils sont en direct, en fait, ils ne sont pas réellement en direct. Il y a un décalage de quelques minutes qui permet, si un incident, de couper et de revenir au vrai direct. Bon, des fois, ça rate, et du coup, tu vois la journaliste tomber dans les pommes, mais des fois, quand ils sont le téléjournal. Mais nous, c'est comme ça. Donc, pensez au décompte du Nouvel An qui, en fait, en décalé. C'est compliqué, Mais c'est vrai. Voilà. Donc, c'est fait exprès et c'est pour ça aussi, il y a ce décalage, ça permet. Exactement. En tout cas.
pour revenir sur le premier jeu concours qu'on avait fait, c'était la baguette de d'Albus Dumbledore jeune. Et pour les 4 ans de la plume de Poudlard, je vais proposer à l'équipe d'en remettre une en jeu, baguette d'Albus Dumbledore jeune. Donc c'est la noire torsadée pour fêter les 4 ans de la plume de Poudlard. Elle est trop belle. Donc si un partenaire veut nous l'offrir, on ne dit pas non. Non, ne vous inquiétez pas, on la paiera de notre poche. Ça sera le cadeau qu'on vous fait pour vous, évidemment. Merci à vous tous pour ce super live de la plume de Poudlard en direct. N'hésitez pas, les jeux concours, il y en aura toujours plus. Je sais que vous êtes déçus, je lis plein de messages, je suis déçue. Oh, sinon, quelqu'un dit qu'il y a des mauvais joueurs, hein, malheureusement, aussi ça. Parmi nos abonnés. Mais ce n'est pas grave. Hein. En fait, voilà, nous, on vous offre tout. Et donc, un jour, vous allez gagner, ne vous inquiétez pas. Bah forcément, là, ce soir, on vous a fait gagner à peu près 30 lots. Ouais, juste parce que c'est Noël, mais tout le long de l'année, vous allez gagner. Sûrement, ça sera votre tour. Et puis, dites-vous, sur les statistiques, là, je crois que vous êtes plus de 3000 à nous regarder. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 30, évidemment, il y en a moins de 1% hein, qui a gagné, évidemment. Et on essaie de faire ce qu'on peut, quoi. Mais on vous a fait gagner déjà 30 personnes. Ouais, on fait ce qu'on peut. Et puis, il y a quelqu'un qui a juste gagné une figurine Dobby de 1500 euros, quoi. Je veux pas dire, mais uniquement ça. C'est ça. Si Nico veut bien lui laisser, on va dire. Il faudra me prendre avec. Si Nico, hello. Oh, il nous suit de la Turquie. Hello, ok. Hello. Don't hello. Worry. Kiss to the Turkey. Ashkim. Bisous. Ah, oh, c'est trop cute. Il nous suit à l'international. Vas-y, remets ton petit message step. Time's up. Bon, bah du coup, on est à l'international, voilà, c'est officiel. Hein. Ouais, c'est officiel. Bon, les amis, merci à vous tous de nous avoir suivis. On a largement débordé le timing. On vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve évidemment en 2023. L'année prochaine. Ouais, la vieille blague que tout le monde fait, la blague des boss. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, restez magique. Ciao, ciao. Allez.